Ça tourne. Bonsoir à tous, bienvenue sur l'Escanas TV. Bonsoir à tous. On est de retour aujourd'hui pour la suite de la Canas Cup, deuxième édition. Mais avant toute chose, je pense que vous avez vu sur nous, on va rendre hommage à une grande personne avec un moment de recueillement. En fait, aujourd'hui, l'anniversaire du plus grand, Enzo Ferrari. J'aimerais que... avec nous vous recueillez un instant. Merci. Merci à tous. Et je pense qu'on peut lancer cette grande soirée, Paul. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, très impatient. Très, très impatient de voir ce petit match-là, ce best of five, qui a l'air sur le papier déséquilibré quand on voit les performances et les trajectoires différentes des deux équipes. Mais on ne sait jamais. Ouais, c'est vrai que ça paraît équilibré, mais on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre avec. Avec et pourquoi pas, on se dit ils sous-performent, ils vont se réveiller et après ils nous déçoivent à nouveau. On se dit putain les gars ils étaient pas au niveau, peut-être que la prochaine ils vont être là et ils sous-performent encore. Et là encore une fois on se dit bah peut-être que pour le dernier match ils vont se réveiller et ils vont aller à la bagarre quoi. Bah on espère, en tout cas hier c'est vrai que le 3-0 est un peu sévère pour eux parce qu'ils font pas des mauvaises games. Après, ils sont tombés sur une équipe costaud hier. Hein. C'est ce qu'il faut aussi souligner. Ouais. Donc, là, on attend le dernier joueur. On attend Matt. Ouais, il y a quelques petits soucis là avec les joueurs. Ouais. Déjà un peu de retard. Le match n'avait failli pas avoir lieu. Heureusement, on a réussi à retomber sur nos pattes au dernier moment. Mais oui, petit souci de dernière minute, ça n'aurait pas tardé les joueurs qui ont un problème à se connecter. Alors que on va peut-être meubler Matt, en attendant, on va présenter les équipes. Matt qui a un petit problème, donc c'est ce qu'on vient de me dire. Oui, allez, on va commencer par présenter les équipes. Est-ce que tu peux nous parler de ton équipe préférée, la team et pourquoi pas? Ouais, alors l'équipe et pourquoi pas, elle est composée donc de Tazé, hein, Tazé en capitaine. On le présente plus, hier il a démontré sa qualité. Très très gros joueur avec son AR, il fait énormément de dégâts. Après, on a peut-être un des plus gros flops du tournoi parce qu'il y avait énormément d'attentes autour de lui. C'est bien évidemment Diatou. Moi, je connais sa qualité, je joue souvent avec lui en ligue. C'est vraiment un joueur exceptionnel, mais bon, visiblement dans les gros matchs, c'est pas trop ça. Après, la menace peut-être le MIP de cette saison, hein, parce qu'il y a une progression immense qui a été faite. Et enfin le dernier, bah voilà, hein. Allume tes morts. PP Prod pour les plus intimes. Bah, il fallait mieux d'allumer la manette quoi. Clairement, heureusement qu'il n'y a pas la manette de plomb parce que je pense qu'à mon avis c'était l'autoroute du soleil pour lui. Ouais, on le sent en difficulté et puis c'est peut-être. Peut-être que je m'avance un peu trop, mais c'est peut-être l'élément qui a fait que la team pourquoi pas être à la traîne aujourd'hui. Non, je pense tu peux pas remettre la responsabilité sur un joueur. Moi, je pense que celui qui a une très grosse part de responsabilité, c'est un joueur qui fait partie du shop 1. Normalement, il était censé quand même apporter beaucoup plus. Et je pense que c'est plutôt lui la déception. Tu peux pas remettre. Tu parles de Diatou. C'est compliqué quoi, Diatou. C'est un genre que j'aime beaucoup en plus. Ça me fait un peu mal de le dire, mais en face, tu vas nous présenter l'équipe. En face, c'est vraiment costaud. En face, il y a du costaud parce que même si on était un peu pessimiste de leur tirage du chapeau 2, je trouve que les deux ils ont bien step up. Que ce soit Bull ou Horatio.
Horacio, qu'on pensait un peu en dessous cette année, après qui nous a montré pourtant vraiment un joli potentiel sur Modern Warfare. Et bien, il s'est bien ressaisi. Son petit passage chez la concurrence, chez le X, l'a bien aidé et il revient au niveau. À côté de ça, Bull, il manquait un peu d'expérience au début du jeu, quoi. Il touchait plus le 3 Call of. Et franchement, il est vite revenu à un bon niveau. Et puis les deux autres, bah, c'est solide, quoi. C'est solide, Matt, à l'air, ça bouge pas, quoi. Faut faire attention. T'as ça dans ton équipe, ça crée à tout, quoi. Ça, je peux te dire que t'as les spawns à toutes les rotas, quoi, presque. Exactement. Et puis, Ça bah. prouve. Vas-y, 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 je Et te puis, laisse finir. ouais, Dis-moi. faut finir, parce qu'il faut pas l'oublier. Enfin, de toute façon, personne l'a oublié. Zero qui en face, pour la team bagarre, attention, quoi. Ça va vite. Ça va vite et j'espère pour le spectacle et pour la team EPP, pour le suspense, disons, qu'il s'est envoyé une belle batte avant le match parce que sinon, c'est cuit, quoi, c'est 3-0. Ouais, de sang très sûr, il en a fumé hein, avant de venir. Voilà. Bon, bah, peut-être que ça va relancer le suspense. Juste avant de lancer, hein, Oui, c'est on va pas aussi tarder. bon de le rappeler hein, que ces joueurs-là font partie de la section code. Hein, ça vous prouve aussi la qualité de la section code de l'ASC. Il y a vraiment des très très gros joueurs. Ouais, Je sais pas si tout le franchement, monde est prêt là. y a du beau monde. Je demande. Peut-être que tu. Un petit point aussi rapidement sur l'HP Red. Bon, je sais pas si on s'attarde à le présenter. C'est connu de Wow, tout le Red, monde. Red, Red, tout le monde connaît. On l'a vu déjà une fois dans le match Ultra Street Lakers contre la Scuderia. On a vu que c'était une domination totale de la part d'Ultra Fake. Que soit ils avaient très bien slay et avaient beaucoup embêté la Scuderia et aussi l'AR très importante. Si l'AR est costaud sur Red, c'est très dur pour l'équipe en face. C'est vrai, c'est pour ça que comment dire, on va pas porter une attention particulière sur Tazé et sur Matt parce que je Ouais. pense que c'est le match dans le match C'est. sur cette manche-là en tout cas. Ouais, ça va vraiment être le duel à la distance et ça va être costaud. Après, il Bon. y a toujours des matchs dans le match parce que chaque joueur a son rôle et trouve son alter ego en face. Ouais, ça va être intéressant aussi de voir le duel forcément d'Yatouzibok et la menace face à Before Bull parce que je pense que face à Louis parce que je pense que c'est aussi ces deux joueurs. Après, on sait Bon, justement que côté Team Bagarre, ça joue deux AR, deux SMG avec Bull et Matt à l'AR. En face, ça joue avec une seule AR vraiment. Parce qu'il n'y a que Tazé qui vraiment est capable de la prendre. Diatou peut être flex un peu avec la M4, mais la vraie AR c'est Tazé. À voir ce que ça va donner. moi j'ai Si. vraiment Oui, je peux vous dire que la pression est à son paroxysme pour les deux équipes là. Parce que d'un bah côté. ouais il y a des les deux équipes D'un côté, la vas-y team vas-y bagarre, c'est que leur deuxième match. Et c'est la dernière équipe à ne pas avoir joué ces deux matchs. Et s'ils perdent aujourd'hui, déjà, ça relancerait la team EPP, c'est son dernier match dans le tournoi, la team pourquoi pas, qui ont toujours pas marqué de points. Ça les relancerait. Et surtout, si la team bagarre ne gagne pas ce match. Mais ça creuserait l'écart devant, enfin la Scuderia devant aurait creusé l'écart avec la seule équipe à être à deux victoires pour deux matchs. C'est vrai. Donc C'est vrai. Et à noter, franchement, j'attends vraiment ce match parce que les deux équipes ont vraiment énormément à jouer et ils ont beaucoup à perdre. Parce que on a tendance à penser que EPP n'a pas la pression. EPP, ils sont en 0-9. Il va falloir peut-être mettre fin à cette escroquerie en bande organisée parce que ça commence à faire beaucoup. Donc c'est le moment. On espère, on leur souhaite, parce que Bon, mentalement ça doit pas être facile tout le pour monde eux. est prêt. Tout le monde est prêt, c'est bon? On va lancer. On va pas tarder à y aller, la game qui se lance. Allez les petits potes. J'espère faire rien. Et Et GG au voilà! tir, coup de tête. On va partir. J'avais fait que tout le monde Je est propose chaud. qu'on suive dès le début Zivo, que ça va aller fort dans le point de la SMG et ça va faire du grabuge. C'est Allez, parti. c'est parti. On est parti sur Zero. A voir. Franchement,
vraiment sur le C1, on voit qu'il va prendre direct la droite et là, ça avec la bagarre, ça va se faire. Ouais, là, ça va être pas ça. C'est le premier duel qu'on va tenter. Et il se fait vite descendre par Diatou qui rend bien dans son match pour une fois. Peut-être une conclusion active qu'on tire ici, mais Diatou qui gagne son duel face à Diatou, qui prend le double sur Bull et qui va tenir le top. Et voilà, gros triple déjà tout d'entrée, ça setup le point du côté de l'équipe, pourquoi pas. Et maintenant, Zivo qui a gros double aussi. Ça serait bon coup pour coup. Et mais pourquoi pas qu'il y a rentré des spawns déjà. Ils ont réussi à faire la double. Le point, et récupérer les spawns, c'est très très bien joué de leur part. Je pense qu'on a déjà Tazé qui a push dès le début. Et voilà. Ouais, c'est très intéressant le début de game des EPP. Ils sont bien rentrés dedans grâce à Diatou qui a fait un gros gros taf. Et mais là ils sont complètement fait retourner par contre. On voit Matt qui va prendre le kill sur PP. Ouais, là ils se sont fait complètement retourner. Matt qui a fait le grand bac par le basket. Et bien joué le très beau kill de la menace en plus en vue. Arthur baisse un peu son jeu. Baisse le son. Voilà. Dans l'oreillette que la balance était pas bonne. On va régler ça. Avec voilà. Z-Walk. Ah, Z-Walk voilà, qui est lancé. Ouais, qu'est-ce qui nous a fait encore Z-Walk qui est lancé. Et c'est pareil pour la team bagarre qui est lancé là, qui est complètement en train de slay la team. Pourquoi pas, c'est fini là. C'est pour ce point là c'est terminé. Là, l'avantage a été pris, ouais. Grosse séquence. Ils sont vraiment costauds. C'est vraiment un rouleau compresseur qui s'est mis en route. Et alors, comme on l'a dit en avant-match, on a déjà Matt qui a fait la rota et avec son AR et qui est déjà dans le prochain point. De toute façon, il est tout seul. Par contre, tous ses teammates vont spawn dans la cuisine. Il va falloir être costaud là, Matt. Gros travail de l'ombre de Matt. Il résiste, mais ah, voilà, il finit par tomber. Toute l'équipe était en face. Et là, on espère que le PP va réussir à bien se positionner. Ouais, mais c'est déjà compliqué. On voit que Tazi a spawn à l'autre bout de la carte. Et voilà, c'est déjà break par l'équipe, pourquoi pas. Bien joué TP pour ta double. Qui se fait refroidir pour Ratio. Ça va très vite, ça trade fort. Ouais, ça vient de tous les côtés là. Gros trip de la team, mais pourquoi pas, qui reprend le contrôle un petit peu. Ouais, c'est bien ce qu'ils font là, c'est bien ce qu'ils font. Il faut maintenir cette pression. Sinon, le kill de Before Bull sur le mid. Et ils ont complètement refait leur retard. Ouais, ils se sont relancés, c'est bien ce qu'ils font là. Par contre, 10 secondes, la rota qui est seulement amorcée. PP Prod qui est parti. Ouais, c'était Siri. Putain, et le mec il se croit au Cap d'Ag quoi. Et Matt qui avait fait la petite pause en sneaky sur le top piscine, mais qui n'a croisé personne. Ouais. Tout le monde est passé au mid. Ah, il me fait mentir la menace, mais il se fait le refroidir aussitôt. Voilà. Peut-être ouais, du jus du copain. Il me semble qu'il a eu PP. Et on voit Bull déjà presque une minute dans le point à la M4. Assez atypique du côté de la team, pourquoi pas, mais il peut se le permettre. Quand il a Zirbook devant lui qui prend sa piscine, moi je serais confortable dans mon transat. Bien joué la menace, kill sur Horatio. Attention, gros double. Les deux derniers dans c'est le point. C'est dommage. Ils sont de tous les côtés et c'est repris par la team. Et pourquoi pas. Grosse attaque. Elle a pris du temps, mais très bien organisée, très bien faite. Et ils ont réussi à break le point pour récupérer les 20 dernières secondes. Ouais, elles vont être importantes ces 20 dernières secondes. Surtout rester au contact. Ouais, derrière, c'est compliqué. Ah, c'est vrai qu'il allait chercher les dernières secondes. Il laisse aucun point passer. C'est dommage. Ils avaient bien recollé. Ils reprennent une petite séquence derrière. Mais attention parce que le point du mid c'est un point très disputé, tout peut se passer dessus. Là ils l'ont en plus, ils ont l'air d'être plutôt bien en place. Ouais, pourquoi pas, et bien c'est là que la grosse double de Tazé, il est costaud dans le début de match. PP Prod aussi le bon kill sur Matt. C'est bien ce qu'ils font là, c'est bien parce que c'est un point qui est compliqué à tenir. On voit la menace d'un tir dans le point qui bien été par Tazé. Déjà 1 minute 20 pour lui. Super aussi Diatou. Un petit point au niveau des box scores. Au niveau des box scores, on a vraiment un joueur en difficulté du côté de la team Bagarre, c'est Bull. Hein. Il est pas vraiment rentré dans son match. 3-13. Par contre, Diatou, PP qui tient son rang aussi en 13-13. Ouais. Et Tazé en 17-9, grosse game de Tazé. On voit que les objectifs players globalement ont du mal à faire les kills. Les deux objectifs players de chaque côté qui sont en dessous.
Encore une fois, c'est vraiment pas une map facile pour les objectifs players, c'est vraiment très compliqué. Faut vraiment faire confiance à... Eh, gros, moins 3 de la team, pourquoi pas. Faut vraiment faire confiance à ses teammates et les laisser faire le boulot et rester caché, quoi. Y a pas d'échappatoire. Gros travaux de la menace, hein. Gros travaux de la menace, il est déjà 1.46 sur le point, 1.45 autant pour moi. La menace, ouais, c'est le standard d'AR 3D. Hein. Vraie belle performance de la part de PP. Hein. C'est vraiment, ça fait plaisir de les voir comme ça. On sait que c'est compliqué. Peut-être que ce qui lui a été infligé par la scouteria hier l'a un peu réveillé. Et Z-Walk, attention, le gros trip sur le point, Z-Walk, faut pas l'oublier parce que. Oh là 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 là, quel joueur. N'importe quand. Quel joueur. Mais c'est pour ça que les gamins ici ils sont connectés sur Twitch à cette heure-là. Hein. Ah oui, c'est pour lui, quoi. C'est... Ah oui. C'est le Messi de sa génération, quoi. Il y a. Voilà. Papa et maman ne peuvent rien dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Vraiment, il les a totalement. Ah oui. Il les a totalement relancés sur le P2, hein, Z-Walk. Ah ouais, ils sont revenus, ils étaient passés derrière, ils sont bien revenus là, ils prennent 10 points d'avance. Et là, ça fait des kills, ils sont bien setup dans le point. Ça va encore croiser les cartes. Avec Bifford, ouais, un kill encore sur Jatou. Un deuxième sur Tazé, voilà, on l'a un peu attaqué en début de partie, mais là il fait un gros double là pour assurer 10 points au moins à son équipe. Ouais, ils tiennent leur rang, c'est plutôt équilibré, ça fait plaisir. Encore un kill sur PP, et il finit par tomber sous les balles de la menace. Z-Walk avait loupé ses balles sur la menace, c'est assez rare pour être souligné. Bon, il s'est vite rattrapé. Alors qu'on essaye de déconcentrer les casters avec des jeux de pirates. Et il va falloir être très très costaud pour la team EPP s'ils veulent revenir. C'est super important là de faire une bonne séquence, de leur mettre une bonne séquence. Quelle attaque de la part de la team bagarre qui vraiment allait en équipe. C'est bien coordonné. C'est... Ouais, mais Tazé qui les refroidit aussitôt. Avec sa Krieg. Ah, quel boulot. Il va encore prendre la question sur un glitch. Attention à Tazé. Et il y a déjà tout qui leur fait le bac, attention, il va peut-être avoir une petite là devant lui. Son premier kill. Il se fait détruire par Horatio alors qu'il avait loupé ses premières balles, déjà tout. Il aurait pu mieux faire. Il faut pas les laisser team bagarre s'installer sur le point, ça peut être très compliqué. Surtout que là ils viennent de creuser le break, 50 points d'avance pour eux. Disaster class de Bifarbul qui s'auto. Oh, il avait collé. Mais Disaster class de Bifarbul qui s'était stick. Ah, il s'est mis le post-it sur le front. Ouais. Il joue à devine tête. Bah ça va être très compliqué là, ils ont plus le droit à l'erreur, la team EPP va falloir être costaud. Oui, mais la team bagarre a complètement oublié la rota au basket. Et c'est un c'est point vrai, ça peut leur coûter cher. Ah oui, c'est un point sur lequel on peut facilement faire 60. S'ils arrivent à tenir la minute, ils peuvent finir. Hein. S'ils arrivent à tenir la... Ah, ils pourront pas finir, mais ils arrivent à recoller. Mais je suis con. Oh, putain, qu'est-ce que je raconte. Et ils ont réussi à prendre les kills d'entrée. Et à prendre le spawn au top, la team bagarre, ils vont prendre le point. Et Matt qui fait une très très bonne incursion sur le point. Vraiment, Matt, ça se voit qu'il a eu mauvaise quand même de se faire, entre guillemets, un petit peu éjecter du roster code. Il veut prouver sa valeur. Et là, il nous démontre toute sa qualité. Sa mise à l'écart. Vous pouvez voir que. Ouais, c'était un peu dur. Après, on sait là, aussi qu'il est allé s'entraîner avec la plèbe. De chips, pendant ce temps on oublie le score et c'est terminé. J'ai envie de dire c'est un peu sévère quand même parce que le EPP sort encore une fois, ils font pas une mauvaise game. En face c'est vraiment très très fort. Vous pouvez voir les box scores, Before Bull il est peut-être en négatif mais 2.32 sur le point. Ouais, mais surtout c'est que tous les joueurs sont allés sur point en fait. Voilà, il y a eu du team play. Mais des deux côtés, il y a eu du teamplay. On peut pas dire que PP a été désorganisé, mais c'est que malheureusement, en face, c'est très fort. Et quand vous avez un joueur comme Z-Walk qui est capable de vous sortir des doubles ou des triples sur le point, fait très très mal. Ça fait très très mal. Bah oui, on l'a vu sur le point au basket, là. On fait remarquer que Bagarre est en retard. Ils n'ont pas la transition. Mais pour autant, en 20 secondes, même pas, ils ont réussi à les break et à récupérer le point et à finir là-dessus. C'est le gros problème de PP, ils sont organisés, ils jouent en équipe, mais ça manque de skill, ça perd les duels et ça pardonne pas.
Donc là, on va partir sur une R&D sur Express. Alors, à voir On va si voir ce que ça va PP donner. C'est une peut. map qui est très dure à jouer. Ouais, c'est compliqué. Il Mais hier, faut. EPP a été très intéressant. Ils ont donné du fil à retordre à la Scuderia Pipa. Oui. À voir. Ils ont plutôt tendance à être passifs. Alors, je pense que ça peut être intéressant. Ça peut être un petit peu, je pense, un choc de, comment dire, un choc de culture. On sait que la team bagarre, bah, comme son nom l'indique, ils n'ont pas peur d'y aller. Après, quand tu as un joueur comme Zio, tu peux te permettre d'aller les chercher. C'était Donc, chaud, à mais un peu voir. pour moi Ça en va fait, être hein. J'ai sympathique. du mal à me mettre dedans. C'est la première. Vas-y, tu t'apprends piqué. Je suis frère, je suis défoncé. Je regarde s'ils sont prêts en face. Tout le monde est ready? Ouais. Alors, les deux équipes sont prêtes, on va pouvoir lancer. On va y aller. Peut-être un petit pronostic sur cette carte. Moi, J'ai pas j'ai envie de jouer une, j'ai envie de jouer une envie de surprise, j'ai envie prendre. de que la soirée dure. J'aimerais bien que EPP gagne. Je vais dire, allez, 6-4 EPP. 6-4 BP. 6-4 EPP, je sais pas. Je sais Allez, pas, on va sur suivre. qui on va se mettre sur Zivok. On va suivre Non. l'attaque plutôt et on se Zivok met qui sur la prend le menace avec la snipe. bombe. Ils ont décidé d'aller sur B. Tout le contraire de Ouais, la plutôt team. agressif. C'était la team Ultra Mais Sphere c'est bien joué le qui. kill DPP, c'est bien joué le kill DPP sur Horatio, c'est important. Et là, le bomb site est complètement laissé à l'abandon. Ah, la menace qui C'est tombe sur bien les joué, balles c'est de Zivok. posé. Ça a été. Non, Allez, ça faut n'a se pas été mettre en posé, ça n'a face. pas été posé. C'est Ça passé n'a pas tout été près. posé. Et gros double de Diatou et Tazé. Super, Diatou, excellent boulot, qui gagne son face-à-face face à Ziwok. Et le dernier, le duel entre Tazé et Matt. Il va se faire Ça rusher va être par les deux. intéressant de voir. C'est cul pour C'est lui, c'est super, cul. et voilà, très très bien joué. C'est. Ah, sur cette première attaque, Team EPP qui me fait pas mentir. Ouais, mais ils ont su. Leur grande force a été de trail les kills. Ils ont joué en équipe, ils ont resté à 4. Alors qu'en C'est face. vrai. En face, on a vu qu'ils étaient complètement dispersés sur leur défense. Ouais, pas bien organisé, pas bien organisé. Et ils ont Et. été un peu. On a l'impression. Excuse-moi de te couper, on a eu l'impression qu'ils ont été un peu pris de court. Parce qu'ils ont été ultra offensifs quand même, EPP. Ouais, je sais pas, je pense surtout qu'ils ont aussi, ils étaient mal placés en défense et ils ont voulu y aller un par un après. Et alors qu'on voit encore une fois Et la bombe B complètement la abandonnée qui va pose être posée très par Matt. offensive. Ouais, ça va super vite. Et attention, Attention, déjà. ouais, Matt qui fait le petit kill sur PP aussi. Voilà, les Zywo qui Oh font là leur là, ouais, travail, ça a été c'est. éclair, ça a été éclair. Ouais, là c'était impressionnant. On a vu encore une fois Ouais. d'entrée la défense qui a du mal à se placer. Ouais, est-ce que c'est pas la meilleure des idées de faire ça, sachant que les équipes là ont du mal à jauger, c'est peut-être intéressant de faire ça, de poser vite, de profiter un peu de ces moments d'égarement et de surprise. C'est bien joué. Et gros travail de Zivok dans la manche là qui est en série 3. Zivok. Je te propose qu'on suive Diatou, je pense qu'il va être agressif, même s'il C'est a pris la parti. M4. Ça retourne à B, il va aller au mid et Il prend le il va mid. devoir se Il y aura un bagarrer duel avec avec Louis, Matt et avec Horatio. Matt dans le train. Je sais pas s'il a pris l'un. Et Horatio qui a fait un gros travail, qui allait Faux. les agresser directement sur la bombe. Horatio prend le grand TP. Ouais, et tout Tazé qui venge tout de suite. Qui venge tout de suite PP. La pose de Matt. Allez, Diatou, il faut pas louper sa balle. Super. Voilà, Tazé et Diatou qui encore une fois ils font le taf tous les deux. Et là on a Ouais, Zivo là quand un c'est bien. V2. Il a pas pris l'info, Tazé a très bien posé la bombe pour pas se faire repérer. C'est super. Après, Tazé, on sait que c'est un expert dans ce mode-là. Il adore ça. Et le premier, Zivo qui refroidit Diatou. Ah, je suis impatient de voir ce duel parce que c'est vraiment deux joueurs là. Ils sont très très forts. Tazé adore ça. Et Zivok. Quel travail de Zivok. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'il nous a encore fait, le Z-Walk? Oh là là, Z-Walk, j'ai envie de dire là, sur les deux manches Que dire? que la DG, que la Team Bagarre a pris, il fait un sacré taf, hein. Ouais, c'est lui qui porte son équipe. On l'attendait. Attendait au niveau. Et c'est bon. C'est dommage parce que c'est pas bien payé, encore une fois. Je trouvais qu'ils avaient fait du. C'était plutôt bien joué de la part de.
De PP, ils avaient fait les kills dès le début, c'était bien. Mais bon, derrière, quand vous tombez sur un mec comme ça, bah... Ouais, alors qu'on voit, on a deux joueurs en 0-3, peut-être le premier James Bond de ce tournoi. Ouais, on en a pas encore eu. On l'espère en tout cas. On attend que ça. Ouais, on n'a pas envie de finir la soirée broucouille, nous. Et là, attaque très agressive sur A. Personne s'y attendait côté EPP. Le bon site qui va être setup. Et PP, le gros kill sur Matt, vengé directement sur Divo. Tout de suite vengé. Et la menace qui prend sur Before Bull. La menace qui est déjà au bac. Ouais, c'est bien joué. C'est bien ce qu'ils nous ont fait là. C'est bien ce qu'ils font, EPP. Allez, il faut pas. Tu vas voir les duels là. Il faut pas se louper. Ouais, c'est il faut y aller là, Yeezy. Ouais, bien joué la menace, l'équipe sur Z-Walk. Ça a très bien la joué menace, l'équipe du côté ouais, de Team EPP. C'est super. Allez, bien tout. Oh, peut-être aura pour l'action. Et non. Ouais, super bien joué, Tazé. C'est. Ouais, très c'est bien joué, Diatou. Très bien joué. Ouais, les leaders qui répondent présents. Ouais, je suis en train de faire un petit point sur les box scores là. On a donc Diatou en 4-3. La menace 2-3, la menace qui fait une très bonne manche, il s'est bien relancé. PP en 3-3, c'est honorable. Tazé en 4-3 et en face Zivok en 7-2. C'est... Et Before Bull en 0-4. Attention au départ. Attention, on t'avait annoncé que t'étais un peu la petite Dalida, hein, avec ton setup à 600 balles. Régale-nous, j'ai beaucoup d'espoir en toi. Horatio 2-4, Matt 3-3. Allez, on est parti pour cette cinquième manche. Est-ce qu'il c'est pas le moment de faire une attaque à droite pour l'équipe PP? Eh bien non. Une fois de plus. Non, il reste. Ils ont confiance. J'ai envie de voir Pépé avec sa Krieg rusher le bomb site. Les Zivok qui l'attend. Allez, il tombe tout de suite. Ouais. Et qui en plus TK son coéquipier. Quelle bavure de la part de l'UTMA. Et quelle bavure. On en rigole. Des fois, il y a des situations, vaut mieux en rire. Vaut mieux en rire qu'en pleurer parce que là. Ah, c'était vraiment une belle double. Et du coup, la bombe qui est abandonnée par l'équipe EPP, ils sont un peu en difficulté. Diatou qui prend un bon kill sur Matt. Ah, je suis content de voir Diatou comme ça quand même. Diatou, ça lui a fait du bien peut-être d'être critiqué, il veut répondre. Ouais. Mais regardez encore une fois la position des joueurs. Chez EPP, on joue ensemble, on avance progressivement à deux. Et de l'autre côté, on est complètement séparés. Mais encore une fois, on sait qu'il y a la baguette. Je pense que c'est peut-être le meilleur joueur en SND, Tazé. Ouais. Là voilà, ça, ils ont récupéré la bombe, ça va poser et les deux joueurs sont à l'opposé de la carte. Ils vont peut-être. Allez, il faut bien se positionner. On y va, il va y avoir un gros duel là. Horatio qui est déjà dans le bac, il va tomber face à Tazé. Il a un sacré timing. Diatou qui se pose dans la V2. Il a la bombe pour lui. Il reste 30 secondes et deux joueurs en face. Attention, ouais, ça va être compliqué. On attend Diatou. Il a eu l'info, il l'a pas joué très intelligemment. Il a eu l'info. Ouais, bien joué. Il arrive au bon moment là. Très bien joué de la part de Diatou. Super. Il reste 12 secondes, il a gagné la manche, c'est sûr. Enfin, là, oh, Before Bull, il a pas le temps de désamorcer. Très très bien joué de la part de Diatou qui a bien attendu le bon timing. Sacrifié. Et attention, le PP qui repasse devant. Ouais, EPP qui reprend la tête. Pipa, on a failli perdre attention à la connexion. Et c'est... Comme ça et... Attention, on a failli avoir une petite bavure là de connexion. J'espère que tout est revenu chez toi. Mais c'est bon là, ça marche. Hein. Tout est reparti. Tu m'entends, moi je t'entends. On a failli perdre. Ouais, bah c'est les aléas du direct. Hein. On a failli perdre la game. Allez, c'est reparti pour les joueurs, ils sont pas laissés démoraliser. Oh, c'est la bagarre et Pépé qui fait gros tweet sur Z-Walk. Ça va trop vite. Qu'est-ce qu'il nous a fait Pépé là? Pépé, regardez ses pifs et ses lacets. Et qui laisse Diatou le gros en 1v2, Diatou sur prend vite le kill. C'est super. C'est allé à une vitesse. C'est bien joué, c'est super bien joué. Je me demande si même les joueurs ont compris. Et 1v1 Diatou vs Matt, attention. Il l'a déjà fait. Est-ce mais... Qui va nous tenter la diffuse? Ah, il va y avoir le Matt qui a tiré. Bien joué. Et la diffuse pour Diatou. Oh, c'est super bien joué. Ça va passer. C'est super bien joué. Ça va passer. Et vraiment, je pense vraiment, sincèrement,
Diatou, c'est très très costaud sur cette SMB, oui. Et ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir de le voir. Et Matt qui a fait le casso, ça, franchement. Ouais, Matt, c'est assez bizarre ce qu'il nous a fait. Et regardez, je suis encore en train de sur le box score de la team EPP, c'est très équilibré. Hein. Ça se voit que ça joue en équipe, ça fait vraiment plaisir. Là, je vais y revenir encore une fois, mais je pense que Matt, il s'est trompé de quai pour pas prendre son train. Là. Il devait partir voie 6, il était à la voie 12. Attention, bien regarder le billet. Et voilà, ouais, super, Datou, encore le kill sur Z-Walk. Et on l'avait dit en avant-match, ils vont être très patients et ils vont prendre des kills faciles parce qu'en face ça va rusher. La menace, c'est super ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de dérouler. 2v2, là. Attention, Bulle et Matt face à la menace et Jatou. Et cette fois, l'équipe EPP prend la menace, quel kill qu'il prend. Et qui laisse Matt met Matt en 1v2. Et j'allais dire qu'ils étaient split, mais la menace a fait le taf comme il fallait. Non, c'est bien, ça se parle. Et la menace, hein, vraiment, pour le titre de MIP, ça va être du costaud. Hein. Ça va être du costaud, vraiment. Ah, Jatou qui se fait prendre dans le bac. Matt qui a failli. Et la menace, attention. Qui a failli faire la deuxième bavure en deux manches. Alors attendons de voir ce que Matt va nous faire. Je te propose d'aller sur sa cam. Ouais, on le suit là. Il est en train de contourner la menace. Est-ce que la menace va le voir? Ah, c'est dommage. Ça y est. Bien joué, Matt qui se rattrape bien. Et encore une fois, attention à Matt. Matt, c'est pas Siri Crack. Il a pensé à compenser son billet cette fois. Ah, j'aime beaucoup. C'est une SND vraiment disputée. Ça fait plaisir, vraiment. Ah, on s'y attendait sur Express. Alors, hein. C'est un match de trade. Ouais, mais c'est un mode qui est énormément décrit de la plupart des joueurs du tournoi. Mais force est de constater qu'il nous apporte quand même des games très serrés à chaque fois. On a eu le 6-5 entre la Scuderia Pipa et Ultra Fate Lakers. On a eu hier encore une manche disputée. Franchement, c'est un mode qui réserve encore beaucoup de surprises et la game est loin d'être finie. Là où je suis content, c'est que vraiment, ils nous font pas mentir, ils nous font plaisir, la team EPP. Ouais. Et en face, Zero qui s'énerve et qui sort le snipe. Il s'est fait défoncer au mid juste avant, là il veut prendre sa revanche. Et c'est fait. Ah là là, il l'a eu. J'espère que t'avais la caméra dessus parce que moi j'étais dessus et je peux vous dire que j'ai toujours pas débandé là. Il m'a bien vu. Quel joueur. Et la bombe qui est au mid, ça prend des kills du côté de la team Baga. Ça va faire une. Ah bah là ils ont fait les kills, hein. Clairement ça va être compliqué pour Diatou. Diatou qui réduit la différence, mais il se retrouve à 1v2 contre Matt. Attention, il y a des sacrés joueurs. Hein. Là. J'ai envie de dire là, c'est un peu quand tu dois aller demander à papa et maman si t'as le droit de sortir le soir quand on voulait aller faire des city. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Voilà. Allez. Éteint. Et ils sont revenus à 4-4. Est-ce qu'ils ont récupéré le momentum, la team Baga? Et regardez-moi cette killcam, il est arrivé. Ah non, c'est très fort. C'est très fort. Dans les temps. Très fort. C'est le seul hein, qui joue au snipe du tournoi en SMD, il me semble. Ouais, bah il faut être costaud parce que derrière. Derrière, on se retrouve au Jamati, c'est pas facile. Il faut vraiment être sûr de son skill et tirer droit, quoi. Allez, Jatou en duel encore face à Z-Walk. Et Z-Walk le gros kill sur la menace. Voilà. Z-Walk a mis tout seul qui tient l'équipe, ouais, qui peut faire ralentir. Jatou qui finit par voler son coéquipier. Et on est déjà en 2v2 là, il y a beaucoup de bagarres, hein. Ça va vite. Ouais. Et comme souvent du côté des pourquoi pas, on a envoyé la chair à saucisse devant. Et Tazé bien vu qui fait le gros kill sur Matt, c'est peut-être le moment de récupérer. Allez, Jatou Tazé. La bombe va être posée par Tazé. Il l'a entendu. Ouais. Il finit par prendre le kill. Et bien joué, ouais, c'est bien joué. C'est bien joué, c'est intelligent. Encore une fois, il faut louer cette intelligence. Voilà. C'est le team play. Il est vengé directement. Et ça. On voit sur le replay aussi le timing de Tazé qui se retourne au bon moment. Mais quel joueur. C'est vraiment. Ce mec, on peut le comparer à un numéro 10. Oui. Au foot, quoi, c'est exceptionnel. Il me fait vraiment penser à Grealish, quoi. C'est beau. Et attention, c'est sans fioriture, quoi. On voit que c'est que. C'est ça. C'est que de la classe. C'est ça. Et est-ce que
Est-ce que la team EPP va me donner raison et s'imposer 6-4? Eh, peut-être, on, de voir ça. On est pas loin. Eh, alors qu'on voit qu'ils font un rush complètement en bas, les 4 sont en bas. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal et ça prend les kills. Attention, Zibo qui a refroidi la menace. Et pendant ce temps, la bombe est partie, elle, de l'autre côté. Ah, ils sont partis à A. Je pense que Zibo qui avait pris l'info et il a tout de suite guidé ses coéquipiers. C'est ça aussi, quand on est un demi-dieu, on sait aussi distiller les informations au bon moment. Voilà, la bombe est posée et l'équipe posé, est, pourquoi ils sont pas, en 3v3. Est au bout de la carte. Quoi. Il va falloir courir. Il faut y aller. Peut-être que Biforbul va se faire surprendre par contre. Ah, il l'a pas vu, Diatou, il l'a pas vu. On a 3 duels là, de tous les côtés et c'est Zibo qui prend le premier. Eh bien joué, et Diatou qui nous fait pas mentir. Diatou qui répond. Vraiment, quel game de Diatou, quel game. Allez, Match qui va prendre le top. Plus que 25 secondes. Ça va être compliqué là. Faut prendre vite les kills. Non, mais du côté de la team Dagar, ça se montre pas. Ça reste très précautionneux. Diatou qui va devoir prendre la bombe, mais voilà, c'est terminé. C'est terminé, ouais. C'était un duel de chapeau, c'était un duel de leader. C'est. Et 5-5. Quel game. Ouais. Mais et quelle attaque de la team Bagar qui a complètement berné la team pourquoi pas quoi. Personne l'a vu venir. Et tu sais quoi? Ouais, mais tu sais quoi? Attention parce que l'attaque a vraiment pris le pas sur la défense sur cette sur cette SND et c'est EPP à l'attaque. On va voir ce que ça va donner. On va suivre la menace avec la bombe qui va aller tout de suite au top. Ils sont tous partis. C'est des mid. Il y a Louis quand même. Il y a Horacio dans le mid. Ouais, ça y est. Tienne, donc c'est Horacio qui a dit. Et Horacio qui, à mon avis, a distillé l'information. Et j'ai l'impression qu'on se prépare à rotate du côté de la. Ah, je pense qu'ils sont surpris de ne pas avoir eu de kill sur B. Et ouais, ils sont un peu perdus là. Oh là là. Ils sont en train de faire un maul. Ils seront au rugby. J'espère que les viewers se régalent parce que ça va être une sacrée fin de game là. Ouais. Ça va être vraiment sympathique. On va avoir le droit à du grand spectacle à mon avis. Alors, regardez comment ils sont bien organisés, la team EPP. Comment c'est passé? Ouais, c'est bien, PP en éclaireur. Tazé qui prend l'ouverture. Tout de suite, Bufferbull qui lui répond sur PP. Et attention, mon petit doigt me dit que ça a anticipé là. Gros kill de la menace sur Matt pour tout de suite venger Tazé. 2v2. C'est bien, ils ont l'avantage. Ils ont l'avantage, mais attention, il reste plus beaucoup de temps. Il va falloir poser. C'est ce qui va être fait par la menace. C'est bien joué la menace. Et attention, Diatou qui va avoir son gros duel. Le gros timing de Zibok sur Diatou, il est passé, mais ricrac. Ah là là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Diatou. Il faut qu'il prenne un kill. Ouais, ça désarme. Et il l'a entendu. Gros kill de Diatou. Il faut qu'il court la bombe. Magnifique. C'est magnifique. Et ça me fait énormément plaisir. Quelle partie de Diatou. Ah ouais, Diatou, il a pris. Diatou, là, il a tout pris, je peux vous dire. Il a pris ses roubignoles, comme on dit. Il les a posés sur la table. Gros 1v2. C'est ce qu'on attend d'un chapeau 1. Et la team EPP qui prend sa première game du tournoi. Et je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, c'est entièrement mérité. Quelle performance, quel gameplay. Diatou, qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait, Diatou? Mais oh là 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 là, qu'est-ce que ça fait plaisir d'aller voir comme ça. Mais c'est la première map pour EPP. Et Diatou qui était tellement critiqué depuis le début, qu'il a se réveille, envoie un 14-7 et il fait gagner la game à son équipe. Ah oui. Là il a fait fermer des bouches, la mienne la première. Diatou, mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Quelle fin de game! Oh là 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 là! Alors, Paul, avant de relancer, je vais te demander de changer les équipes, de mettre Bagar en bleu, s'il te plaît. Pour la régie. Ouais, je vais le faire de suite. Là je pense vraiment que dans la partie des pourquoi pas, ça a crié. Ça a crié parce que je pense que ça fait très longtemps qu'ils attendent ça. Ils en avaient besoin. Et est-ce que ça va pas être ce petit déclic? Ouais, je pense que le Bruce Willis de Chevincourt, il a dû dire « Ah, bien joué, Diatou, bien joué, je te suce !» Un truc du style. Ah, c'est génial. Ça, franchement,
ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'ils sont récompensés, ils sont récompensés quoi, du boulot. Ils font une grosse, grosse perf. J'avais annoncé victoire 6-4. Ils gagnent 6-5. Je suis content grâce à Diatou, je passe pas pour un con. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans le chat qui les voyait gagner en SND. Et. Je sais pas. On va pas tirer. C'est quoi là? Parce qu'il faut se rappeler quand même que. Que mentalement ils sont très forts. Ils sont très forts et d'où l'importance d'avoir quand même des leaders qui paniquent pas. Ouais. Vous prenez Tazé, Tazé c'est vraiment c'est la force tranquille. Le mec il a de la glace dans les veines. Attends, là t'as pas jamais. Juste avant que tu lances, regarde les équipes, t'as pas bien tout changé. Faut que tu. Ouais, mais attends, ça bug à mort. Hein. Ok. Tu changes allume tes morts avec Horatio. Regarde et... là, Horatio c'est bon. Et allume tes morts avec Matt. Et après on est et bon. Ça change tout seul. Allume tes morts avec Matt et c'est bon. Là c'est bon là. Parfait. Diat, ouais, ok c'est bon. Parfait, bon bah ils sont prêts ou pas? Diatou est parti 2 minutes. Diatou okay, a dit 2 minutes, on va attendre. Ouais, je pense que Diatou est parti se vider un petit peu tout ce qu'il avait là. Bah là je pense qu'il s'est fait une élongation au dos à force de porter ses couilles comme ça. Ouais, on me dit que c'est prêt, ça va partir. Allez, c'est parti. Ah, un petit prono Arthur pour ce contrôle. Franchement, c'est compliqué parce que ça va prendre beaucoup de kills du côté de la team bagarre. Mais on sait qu'en face ça joue beaucoup en équipe. Très bien d'ailleurs en équipe. Et je pense que ça va être très serré. Moi je vois bien. Je ne saurais pas donner un vainqueur, mais je sais que ça va aller à 5ème manche. Ça va finir à 3-2. 5ème manche. Et bah vous savez quoi, moi je vais me mouiller. Ce soir, je prends. Je prends le parti de Pépé. Ils m'ont vraiment agréablement surpris. Enfin, pas vraiment surpris, mais. Allez, on va voir ce que Pépé va faire. Et ce serait une sacrée performance de prendre la team bagarre en contrôle. Parce que pour moi, la team bagarre, c'est une des meilleures équipes sur ce mode-là. Ah, on sait que. Quand tu vois ils sont là. Exactement. Et Diatou, le gros qui sort mat. Ça lui a fait du bien, la SND à Diatou. Hein. C'est un autre homme. Oui, ça lui a donné confiance et. Il a retrouvé son jeu. Là, il jeu. Va dérouler son jeu maintenant. Et ça trade beaucoup de kills. Hein. Déjà 7 kills. Ouais, il y a beaucoup de kills. C'est une game 8ème maintenant qui est pris. Et c'est égalité. 4 de chaque côté. Niveau des vies, c'est stable. Matt, et... Matt qui est parti sur A. Il va prendre sa position préférentielle au tank. Et gros, il gagne son projet face à Tazé. Hein, ah, il fait vraiment un très très gros boulot, Matt. Très bien joué de la part de Matt parce que pendant qu'il charge, son équipe a et continué Zivo à attaquer B. Avec Zivo, gros taf. Et là, ça capture et les Zivo deux points. Ça capture les deux points, ça va être des Zivo sur B. Matt qui tombe mais qui a chargé quand même un tiers. Bah, Matt qui a fait son boulot. Hein. Ouais, là, sur ce coup-là, Matt qui fait son taf. Et Zivo qui continue, il est en série 3 sur le point là. La menace, gros double, la menace qui vient aider son équipe qui est un peu dans le trou. Et Diatou, eh bien joué Diatou le kill sur Zivok. Ah il me fait plaisir Diatou. Quelle action de la menace on l'a pas vu à l'écran mais qui a envoyé une double sur le point qui a permis à son équipe de remonter sur la carte, ça a fait beaucoup de bien. C'est bien si on passe Zivok qui va arriver Elec, il va avoir un duel avec Diatou. Ah Diatou qui s'est barré. Oh Diatou qui tombe les années face au ratio face au ratio ça pardonne pas. Diatou est vraiment lancé là. Ah, et Zivok est de retour dans la petite pièce, dans le 4. C'est. Sa position favorite, il adore, c'est du close range, c'est là où il excelle. Ouais, ça va vite. Autant dire que. Si vous avez jamais fait un tour dans une lessive, vous devez juste aller dans le 4 quand je dis ok, temps, vous allez voir ce que ça fait. Et Tazé, gros double de Tazé. On l'avait pas. C'est très très serré encore. Et à chaque fois, je crois que Team Bagarre va réussir à prendre le point. Et bien la team, pourquoi pas, qui envoie une double et qui remonte sur la carte. 15 ouais, mais attention. C'est très 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 serré. C'est serré mais attention quand même. Ah il y a un petit écart qui s'est fait, le point B qui est sécurisé. Voilà, on va aller sur le A. Mais bien se préparer. La team mais pourquoi pas a perdu le premier point mais ils sont toujours bien placés dans cette manche. Ils sont bien placés mais on sait que le raid va être très important. Bien joué le gros kill de Diatou sur Zivok. Zivok et Diatou qui se rendent coup pour coup. Hein. Vraiment, les deux, ils sont sur les mêmes standards là. Ça fait vraiment plaisir de voir deux tels. Regarde Matt au spawn kill, série de 8 pour Matt. C'est lui qui a sonné un peu son équipe. Il est pas retombé. C'est le Thiago.
un peu, il me fait penser à Thiago Motta, c'est une enflure à jouer, c'est un régulateur. Oui, ouais, exactement. Il te pourrit ta game. Exactement. Il te pourrit ta game, il est capable. Et attention, 6-8, et rien n'est fait. Et on espère qu'encore une fois, la team EPP va pas avoir de regrets, encore une fois, parce qu'ils sont, ils sont vraiment. Enfin, c'est une équipe, et il faut pas. Ils font tout pour essayer d'avoir des résultats, c'est compliqué. Matt, énorme et là, Matt, la grosse double. Ah ouais, ça fait très très mal. Et là, il n'y a plus de réapparition pour l'équipe. Mais Matt, ça reste serré. Ouais, 2v5, ça va être compliqué. C'est dommage. En plus, Matt qui détruit la menace. Et Diatou tout seul. Un v4. Diatou en 1v4, ça va être compliqué. Ah, c'est cuit. C'est cuit. Ouais, c'est... C'était serré, c'était très serré, mais... C'est serré et... Et regarde, le double de Matt. Voilà, grossière erreur de la part de Pépé, là, de prendre ce double à ce moment-là, c'est... Je suis en train de jeter un petit coup d'œil au box score. Matt, Matt en 13-4, c'est clairement lui, là, sur cette manche. Et par contre, en face, c'est très intéressant parce que vous prenez la team EPP, vous avez du 9-5, la menace en 3-9, c'est compliqué. PP en 7-7, attention, hein, PP qui fait une dédicace au département le plus pourri de France. Et Tazé en 7-8, c'est rien n'est joué. Et Arthur, ta théorie, ça finisse en 5 manches, et bah, elle est pas si farfelue que ça. Non, et on voit d'entrée. Regardez la grosse double encore. Et ouais, c'est bien, ils sont pas morts. Le triple, ils sont en place dans le coin. Là, ça a capturé vite. Hein. Ils sont deux. Et Zio, quelle action. Gros triple d'entrée. Qui se fait refroidir par la menace. Et ils ont déjà chargé une barre. Ouais, c'est bien. C'est vraiment très serré, ça se rend coup pour coup de chaque côté. Ouais, c'est vraiment plaisant, c'est vraiment très plaisant de les voir, de voir ces deux équipes évoluer vraiment. Oui. Bah, je pense que les deux maîtrisent très bien le mode, maîtrisent très bien la carte. Et... Ouais, c'est deux. Mais attention, moi encore une fois, c'est une opposition de style encore une fois. Ouais. Et là on mettait chacune des équipes face à l'équipe Ultras Fake, c'était 3-0 encore pour nos amis les bleus. Oh, c'est gratuit, bisous, c'est gratuit. Allez, bisous les Michto. Ouais, c'est gratuit, mais... C'est un peu gratuit, je trouve. Je pense que c'est la vérité aussi. Malheureusement, alors, on voit du gros niveau ce soir. Je sais pas ce que t'en penses, bon, ça fait que deux manches, hein, mais c'est... Je trouve ça un peu intriguant parce qu'on a vu que de tenter le spawn A directement, c'était plutôt intéressant. Pour l'instant, aucune des équipes l'a faite, alors est-ce que ils se la gardent sous le coude pour les prochaines manches? Je pense que c'est la garde, je garde la surprise pour après. Et Matt, gros double sur le point qui empêche la team EPP de le capturer, ils étaient presque au bout. Et Diatou, la double de Diatou qui lui répond. Et vraiment, Matt, là, c'est Matt nous sort une game. C'est trop facile pour lui. Regardez, encore, il laisse passer intelligemment, il a un triple. C'est vrai. La triple de bout. Trop facile, c'est trop facile. C'est trop facile et c'est très, très bien joué de sa part. C'est le régulateur. Le régulateur. Le fil. Et regardez encore, il double encore. Matt, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Là, Matt, Matt, clairement, il a mis les points sur les i et les barres sur les t, hein, sur cette manche. Voilà. Regarde. Ah la putain, ça. Et ouais, là, il. La triple leur fait très très mal. Il clôture la manche là-dessus. Non, derrière Diatou qui vient, qui se fait aligner, et Tazé derrière, j'avais pas vu que c'était une double aussi derrière. Oh là là. Ouais, c'est du costaud. Bah bon, après, on sait que Matt, il est revanchard. Hein. Matt, il mise beaucoup sur ce tournoi pour prouver sa valeur. Ouais, il est vraiment en reconquête, là. Alors là, c'est intéressant de voir, c'est que les deux leaders de la team bagarre, clairement, là, ils sont vraiment au-dessus, ils sont en train de porter leur équipe. Ouais, ça se voit un peu de l'autre côté, même si c'est moins flagrant. C'est vrai que c'est moins flagrant parce que... Là, du côté de la team bagarre, ça se l'aille. Hein. Ils ont peut-être changé de stratégie, être plus agressifs. Gros double de Tazé. Ils savent qu'ils sont peut-être meilleurs dans le gunfight overall.
Tazé qui va aller push les secondes là. Ouais, il est pas trop gourmand, c'est bien joué de ça. Diatou va appeler Horatio. Horatio va sentir le souffle de Diatou. Ouais. Ah, il l'a eu à la porte. Tazé qui tient le mid, c'est très bien joué de sa part, ça empêche la rota sur A. Gros taf. Oh, vas-y, il est passé tranquillement devant lui, il l'a pas vu. Eh bien, et Matt encore. Alors, qui finit par tomber sous la balle de but. Matt. Mais il a vraiment fait un gros taf sur ce début de manche. Belle double de Diatou aussi. Allez, là, il faut valider quelque chose, là, il faut en profiter là pour la team PP, c'est dommage. Ah, ils ont un bon momentum, là, ils sont bien placés. En face, ça n'arrive pas à progresser. Ouais, mais il faut en profiter là. Diatou en sanguinaire, Et regarde Matt Lafernal qui est encore passé dans leur spawn. Je pense qu'il va les embêter. Comme d'habitude. C'est le mec qui vient te mettre un petit coup dans les couilles sur un corner. Il est invivable. Voilà, il est invivable. C'est un calvaire à jouer, ce mec. Ce mec est un calvaire. Il est en 26-9. Il finit par tomber sur la patte de son coéquipier. Mais très belle action encore de sa part. Ouais, il a remis son équipe dans la game. Et attention, pour l'instant là, il reste que 10 secondes pour capturer un point. C'est bien parti. On a bulle qui passait dans le coup. Et la menace. Ouais, bien joué la menace, gros taf, le gros double. Allez, c'est parti, c'est peut-être là-dessus que ça va jouer. C'est peut-être là-dessus que la manche se gagne. Allez. Il enchaîne avec le triple. Ouais, magnifique. Oh là là, c'est la menace. Voilà, menace qui répond. Quand on vous dit que c'est un candidat crédible au titre de MIP, il ne fait pas mentir. Et c'est bien relancé parce qu'il est parti en deux. Clairement, là, tu as des mecs qui sont un peu en train de boire la tasse. Hein. Je pense que là, c'est clairement pas leur bassin, cette game-là. C'est des mecs comme TP et Bull. La menace c'est pas leur bassin. Matt voilà. Avec un... Tiens, ferme-la. Ouais. Et Matt en nage indienne. Hein. Parce que là... La main en soufflée. Quelle action de la menace, il est en série de 5. Et on n'est pas déçu, c'est vraiment une sacrée opposition ce soir. Ouais. Et attention là de côté de la team, pourquoi pas, ça va rush à 4 le green. J'espère que les viewers se régalent parce que nous on se régale, on prend le panard comme dirait Denis Balbir. Ils ont réussi à rentrer. Ils sont passés, ça a bien marché. Ils sont rentrés, ils ont été agressifs et c'est super. La triple encore, très bien joué. Il leur inflige un -3. Allez, Diatou, c'est ton moment. À mon avis, la team, pourquoi pas. Le point A va être validé et ils ont anticipé. Et Matt, bien joué, Diatou. C'est bien joué. Ils vont prendre le point A, allez, c'est bien. On voit qu'ils ont branché leur télé l'autre jour et ils ont commencé à jouer à la côté de la scout derrière. C'est super. Et Diatou qui nous sort une game. Oh là 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 là, Diatou. Ça a SND la reboosté complètement. Et je pense que demain les gamins vont aller chez Intersport acheter le maillot de Diatou. Parce que. Quel perfo. Et derrière Matt. Et encore une fois, Matt qui refroidit Diatou. Matt qui est vraiment. Excusez-moi le terme, mais c'est vraiment l'enculé de la game. Quoi. Ouais, bien joué, Horatio, très bon kill sur Diatou. C'est costaud les deux maths encore en série de 3, il fait que ça, il va avoir des streaks en plus. Heureusement qu'on joue sans parce que sinon ils auraient déjà pris des frappes sur le nez. Hein. Non, on n'a pas le droit. 31-12, il se promène. Allez. Ah, série de 4 encore en maths. Ça s'est resserré. Oh, Diatou, le gros kill sur Horatio. Matt qui tombe enfin, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Allez, c'est parti, il faut aller dessus là. Ils ont une bonne carte à jouer là, il faut valider le premier palier là. Vas-y, ok, tout seul. Ça va arriver fort. Et Diatou qui nous fait une performance. Là, ça charge, ça allez, charge. Allez, Diatou. Ah, la menace qui va se faire prendre dans le dos. La menace qui prend le kill. Et ils sont deux encore dedans. Le calvitieux préféré, ton calvitieux préféré ce soir, la menace. Hein, c'est. Horatio, bien joué Horatio. C'est peut-être Horatio qui va sauver et non bien sauvé par Tazé. Et la team PP encore. La team PP qui recolle le score. Et tu nous avais pas menti, ça va jouer en 5ème manche. Et attention parce que ça peut être très important parce que derrière on repart sur une HP. Et t'avais annoncé l'attaque dans le 4 dans le green qui allait intervenir dans la game et voilà, elle est passée d'entrée là, direct. C'est vrai, alors est-ce que on leur demandera plus tard hein, si c'était voulu ou pas?
Je pense que c'est travaillé, ces choses-là. De se la garder, et ça a porté leurs fruits. Alors malheureusement, ils vont être encore une fois à l'attaque, parce qu'ils ont moins de points que la team Bagarre. Oui, mais on voit que dans cette game, ça veut rien dire. Attaque ou défense, il y a eu des victoires. Et attention, et là, Matt qui s'est pas fait biaiser. Hein. Ils ont décidé de retourner. Et cette fois, ouais, c'est bien joué. C'est bien joué, c'est bien joué. C'est joué en équipe, encore une fois. Et Matt, encore une fois. Mais... Allez, il faut y aller. Et Matt, gros boulot, la double sur le point A. Ça va les calmer, je pense. Allez. Matt est vraiment. Il faudra être costaud. Déchaîné. Ouais, et dites-vous qu'après, on va avoir le droit encore à une game d'HP. Je m'en languis déjà. Et gros double encore sur le point de la team, pourquoi pas, qui reprend le contrôle du B là. Ils avancent. Attention. Ouais, Diatou, c'est bien Diatou qui veut garder la passerelle. On sait que la passerelle, elle est très très, elle vaut très très cher sur cette map. C'est comme l'a si bien dit Bayardo, il le répète. Ah oui, il aime tout bien le temps. Contre de la passerelle. C'est vraiment le point stratégique. Eh oui, mais quand c'est un joueur comme Bayardo qui a une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne, vous pouvez me croire que c'est très important. Ouais, allez, Diatou, il a eu l'info, Diatou, c'est bien joué. Je pense qu'ils ont réglé leur souci de communication parce que hier, on nous avait confié que Allume T'es Mort n'était pas genre le plus bavard, il préférait s'égosiller comme un goré quand il se faisait tuer. Là, il a appris de ses erreurs. Et c'est important parce qu'on est aussi là pour faire progresser. Les gens sont là pour progresser, ils progressent. Oui, surtout qu'il est bien épaulé, quoi. Avec Tazé, tu peux que progresser. C'est sûr, c'est un mec Je suis pas surpris qu'un mec comme lui. Et là, par contre, ça va être très compliqué. Hein. Ça va être très compliqué parce qu'on en a pas beaucoup parlé, mais le creux a été fait. Ils vont prendre cette troisième manche. Ah, voilà. Ouais. Grosse game du rouleau compresseur de la team Bagarre. Zero 37-21. Leur erreur, Matt en 39-15. Leur erreur, ça a été vraiment d'attaquer le green encore une fois. Il s'y attendait, il s'est préparé et Matt, voilà, il les a accueillis comme ça. Before Bull qui s'est super bien réveillé sur la dernière manche parce qu'il finit en 15-21. Par contre, Pépé, la menace, ils ont clairement bu la tasse là. Là, il y avait beaucoup trop d'eau dans leur pastis. Ah ouais. Là, ils sont noyés quoi. Ils se sont noyés. Et. Donc là, on va enchaîner sur un HP. Je sais pas si... Ouais, peut-être vraiment, on revient un peu sur la performance de Matt, parce que clairement, Matt, je pense qu'il a commencé par une série de 9 ou 10 avant de mourir. Ensuite, il a repris une série de 7. Il a refait de nouveau une série de 7. Enfin, il s'est promené, quoi. C'était ses petits. C'était ses petits. Il est vraiment en forme ce soir. Il se place pour le MVP quoi. Parce qu'on va devoir en parler après. Mais vas-y. Il est en train On en parlera. Je pense qu'on en parlera. Il est en train de marquer les esprits. Ouais, mais après. Non, laisse-moi prendre l'air. Tu peux pas être dans la section code de l'ASC en étant un pif. Oui, c'est sûr. Vas-y. Et puis, mais... comment c'est le problème, je pense, c'est que je me demande si en jouant à deux comme ça, parce qu'on voit que potes, même si c'est des bons joueurs, Horatio et Bull ils sont en dessous quoi. Est-ce que après, en jouant à deux comme ça, faire le taf. Ça va tenir face à une autre équipe? Je sais pas, vous me parlez de quelle équipe, moi je suis Arthur. Moi je pense que là c'est leur deuxième match, il leur restera deux matchs derrière face à Ultra Fake Lakers et face à la Scuderia. Deux équipes qui sont très costauds, ouais, vrai, qui jouent vrai, à 4. Est-ce que. C'est bien les potes. Est-ce que la team Bagarre fera le poids? Je me pose la question. On va voir, c'est vrai parce que. Bon, on en parlera plus tard, je pense que c'est pas le moment là. Comment dire, on prendra le recul nécessaire à la fin de la game. On en parlera plus tard avec quand on aura les cas des différents capitaines et les intervenants. Après, encore ce soir, moi je tire mon chapeau. La team EPP, c'est du costaud quoi, et c'est sévère. Ils perdent encore sur le fil. Mais ils payent pour leur mauvaise entame de tournoi. Ouais. Parce que clairement, je pense que quand même contre une équipe, par exemple la team Boulard en jouant comme ça,
il y avait peut-être des choses. Ouais. Enfin, comme... Tu peux espérer mieux, quoi. Ouais. Bon, j'ai pas de nouvelles de la team. Je pense que tu peux lancer, ils doivent être prêts au pire. Bon, je vais lancer. Hein. De toute façon, ils m'enverront un message s'ils veulent pleurer. Oui. Non, mais parce qu'en fait, ils savent. J'ai... Bah, non, mais. Putain, les trous de balle. J'ai pas mon micro. Tu l'entends pas, moi. Oui. Bah, tu fermes ta gueule. Et on repart pour un HP, du coup. HP Moscou. Voilà. HP Moscou, là. C'est une map très compliquée à jouer en HP. Hein. Ouais, et je pense que notre ami Matt, qui a beaucoup marqué les esprits, va être l'homme clé de cette partie. Pour moi, je vois la team bagarre clôturer là-dessus la série. Team bagarre qui finit, qui clôture. Ah oui, moi l'inverse pour moi c'est inimaginable. Avec Matt qui va assurer le contrôle map. Franchement, je vois pas d'autre résultat qu'une victoire de la team bagarre. Ouais, mais la grosse entame déjà. Pas beaucoup de points marqués sur le P1, mais... Non, mais ce point, c'est le P1, c'est peut-être le point le plus compliqué à jouer avec le P5, si je ne m'abuse, si je dis pas de conneries. Ouais. Alors que d'entrée, peut-être qu'on va me faire mentir. On voit Matt déjà, voilà. Matt qui est bien placé pour le prochain, mais c'est Coquipier qui respawn à l'autre bout. Allez, regardez les deux duels, et c'est Matt encore. Regardez, qui prend sur ta jeu, et Matt, il va aller au top. Il va aller se placer. Il adore, il en raffole des situations comme ça. Mais Diatou va venir tout de suite le chercher. Et voilà, bien joué, Diatou, excellent. Diatou qui. Excellent, Diatou. Et non plus, qui n'a toujours pas récupéré le contrôle. Encore une fois, sur Moscou, c'est la clé. Et ça y est, il a récupéré les spawns. C'est vraiment la clé, et c'est. C'est très dur. Se venge directement. À maîtriser. C'est ce contrôle map, vraiment, ça va être la bagarre toute la partie. Quel taf de Matt encore, mais il est tout de suite vengé. La grosse double de Tazé. Grosse double de Tazé encore. Tazé aussi, qui est peut-être moins fantasque que les autres, mais c'est... Encore une fois, on a dit malheureusement, c'est des joueurs qui ne sont pas prêts à leur juste valeur sur ce jeu. Encore une fois. Et regardez le taf, c'est phénoménal ce qu'ils nous ont fait là. Ouais, Horatio qui finit par reprendre le point pour son équipe. Et Matt, je suis désolé, hein, je suis sur en caméra isolée sur ce joueur parce que. Regardez-le encore. Il est à l'opposé de la bagarre. Il a déjà anticipé. Mais c'est peut-être le plus important. C'est stratosphérique. Son travail est stratosphérique. Alors on amorce la rota de côté de la team EVP. Ouais, ça a bien rota. C'est vraiment une map particulière parce que on a l'impression que l'action elle se passe à l'opposé du point, quoi. C'est souvent ça. C'est vraiment la clé. Alors que, moi je sais pas ce que t'en penses, mais c'est ce qui est intéressant. Ça se rend coup pour coup. Mais. Bien joué, Diatou. Allez, c'est parti. Matt qui tombe. Gros taf d'Allume tes morts qui a bien tenu le contest. Et attention, PP Prod en sanguinaire. Faites-moi péter ce putain de live. PP Prod en sanguinaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, PP Prod? Et la team EPP qui prend 40 points d'avance. C'est pas possible. Et PP Prod qui a passé la manette à Sylvain, c'est sûr. Le sixième, il prend le sixième et il tombe. Ah, il a oublié son trophy, dommage. C'est excellent taf de PP et c'est super bien parce que ce que j'allais dire sur ce point-là, ce qu'il faut faire, c'est aller contest pour que l'équipe en place mette le moins de points possible. Mais si tu peux récupérer et mettre la blinde de points, c'est bénéf. Et 83, ils ont même la rota sur la prochaine. Oh, ça déroule, hein. Ça déroule sur la team EPP, ça déroule. Ouais, franchement, ils sont bien en place. Ça a été récupéré, attention. Et ouais, voilà, la clé c'était en avant-match, c'était le duel dans le match. Et le gros duel de la menace sur Matt. La menace, qu'est-ce qu'il nous fait aussi. C'était allez, voilà. c'est bien. Vraiment le match dans le match, Tazé contre Matt, et on voit que c'était un avantage de Tazé pour le moment, c'est lui qui marque les esprits, et ça se voit au score, 40 points d'avance. Ouais. Et c'est bien en place, Diatou, regardez Diatou qui va faire, Diatou qui va aller au mastic comme on dit dans le jargon. Ah, mais là il joue mal, hein. Il reste derrière sa voiture, il bouge pas. Il sait que son arrière à sa droite et la menace qui prend le front. Il dit, moi je reste là. Je prends des points. Et regarde le score. On est à 70 points d'avance. Il creuse l'écart. Et PP prend encore le kill sur Matt. Oh, PP il est déchaîné. PP en 12-8. Encore une fois sur Horatio, mais qu'est-ce qui lui arrive?
Qu'est-ce qu'il... Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Encore une fois, Pépé Brod, mais... Non, ils sont, ils sont en train de dérouler. Mais ouais, c'est vraiment le terme, mais ça déroule, c'est... Mais t'as qui prend, qui prend la double spawn, mais... On a l'impression que plus rien ne peut leur arriver dans cette game, c'est incroyable. Là, c'est plus qu'un momentum. 100 points d'avance, ça y est, 100 points d'avance. Ouais, 100 points d'avance, et je pense qu'il va falloir renommer... Oh là là, là, je dis rien, je dis rien. On a failli... Oh, déjà tout, la double sur le point, encore une fois. Non, là, il nous régale. Là, clairement, c'est du régal, et... Je sais pas, je regarderai le replay tout à l'heure. Je sais pas si j'avais annoncé EPP vainqueur sur cette map. Moi, écoute, je suis totalement surpris là. Oh là là, c'est magnifique. Et regarde, on voit même la menace qui va prendre le top, qui veut prendre les spawns, mais on se demande ce qui leur arrive. C'est vraiment du. Non, mais moi. Il finit par tomber, mais. Qu'est-ce qu'il nous régale, Tazé encore sur map. Tazé, clairement. Là, je sais pas si vous pouvez voir le box score de la team EPP, il est impressionnant. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont pris la team bagarre à leur propre jeu, c'est sur le gunfight. Mais encore une fois, il y a une organisation qui est incroyable. Oui. Il est mixé avec ce gunfight, ça fait pas tes duels, et quand t'es bien en place, ça pardonne pas. Et là, tu mets des séquences. Ah mais surtout, moi, ce qui m'impressionne, c'est Tazé qui ne cesse de dire ta gueule à Matt. Il dit on t'a laissé Garrison avec ta M4, fais le malin avec ta M4 si tu veux, mais là il faut prendre la Krieg, il faut prendre la distance, et moi je te dis ta gueule quoi. 17-7 pour Tazé. Et la menace encore sans peu. Alors que là on amorce la rota, et voilà, ouais, ça fait c'est Ziwok. Et... Ziwok qui est passé à l'air aussi, il doit se dire mais Matt tu me fais chier à pas me donner les spawns, laisse-moi m'en occuper quoi. Après voilà, c'est là où on attend un leader, hein, c'est de savoir réagir, il a les capacités pour le faire, donc de toute façon qu'il le fasse hein, à un moment donné, ces mecs-là, qu'est-ce que tu veux leur dire? Oui bah si, c'est... Ces mecs-là, même au couteau, ils finissent en positif. Mais là, il va falloir faire une grosse séquence pour la team bagarre s'ils veulent se maintenir en vie, parce que clairement, s'ils sont en place, la team EPP, et c'est ce qu'ils font depuis le début de la game, et ils ont récupéré... C'est un rouleau compresseur. Ils arrivent à break les points très facilement aussi. Mais c'est ce que je t'ai dit, c'est qu'ils ont dû... Regarde, enfin, je pense que sous la houlette de... Là, ils le savent, il faut aller contester. De toute façon, tu as Tazé qui va te préparer les prochains spawns, qui te prépare ta rota. Bah, donc, regarde, il est dans le bus, là. Il est dans le bus. Il prend son 8 bus. Non, mais c'est... Sincèrement, je crois que c'est l'une des plus grosses performances en contrôle. Après le 3-0 de la Scuderia. Ah non, non, qu'est-ce que je raconte, moi, putain, je suis fatigué. Allez, j'ai rejoint la team des fatigués, moi. C'est costaud, hein. Ouais, mais ils font perdre des mots, je suis abasourdi. Je suis abasourdi de la performance de la team EPP. J'arrive même plus à commenter parce que... Oh là, j'ai même pas assez. Il faut que je bois un coup d'eau, là, parce que... qu'est-ce qui arrive? Je suis déshydraté. Je pense que même Ziwok, qu'il a fumé avant le match, il est moins défoncé que nous là devant ce spectacle. En tout cas, 120 points d'écart. Je pense que sur les bêtes, moi je vais aller me balader dans la zone des pronos après parce que je pense que ça va nous annoncer des 3-0 en patate. Ouais. Je peux te le dire, je les ai sous les yeux. Attends. On a qu'un seul joueur qui a annoncé EPP, il me semble. Et en face, il y en a au moins. 8 il me semble qui ont donné bagarre vainqueur. Ouais, et puis attention, c'est pas un mec qui peut aller jouer à l'auto parce que encore une fois, on va peut-être se répéter, mais il y a une très 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 grosse maîtrise. Et c'est vrai, sincèrement c'est impressionnant. Ouais, c'est Diatou dans le point. Encore. Ouah, non mais là clairement, Tazé 21. Non mais là Tazé et Diatou. Et Pépé surtout. Mais Tazé il arrive avec sa Krieg, il break le point tout seul. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Rien, ils peuvent rien faire. Et même PP s'y met, PP en 20-18. Non, PP c'est... Clairement on en parlera après, mais... PP en 20-18. Je pense que là... Et la menace, et regardez la menace. La menace, alors... Depuis le début de la game, depuis le début des games sur les points disputés comme ça, il vient, il met ses grenades, il utilise énormément ses accessoires, et ça fait vraiment chier. Ouais, parce qu'ils n'ont pas, pas réflexe de mettre des systèmes trophies.
Bah mais là, la team bagarre, il fait pas un gros score, mais c'est vrai qu'il aura vraiment cassé les couilles sur les points. Et je pense que... Il les aura fait chier, mais par contre, là, on... Je suis volontairement vulgaire, mais la menace, gros taf. Hein, malgré son score qui reflète pas vraiment. Et... Oui, c'est clair, c'est clair. Moi, c'est clair. Après, on sait que la menace ça lui pose aucun souci de se sacrifier. Et attention, plus de 10 points à marquer. Pépé qui... Est-ce qu'ils vont finir la menace? La menace, gros double! Il fait tomber Matt, il finit par tomber. Quel travail de la menace. Et Ziwo qui va tomber. Attention, qui reprend le point. Et là c'est cuit. Regardez le spawn, je pense que c'est terminé. Là, c'est cuit. Mais quelle performance. On va... Chapeau bas. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas... Mais sincèrement, qu'est-ce qui se passe? Quand tu regardes le contenu sur les trois premières games, sur les quatre, il y a rien à dire en fait. Parce qu'ils méritent, ils sont en place. Ouais. Et là, bah forcément, quand t'as le team play, plus tu prends les duels, tu mets une piquette. Et ils ont pris une piquette à Team Bagarre là. Oui, mais regarde ce qu'on annonçait en début de match. On disait, Matt il est en feu, il va leur faire la leçon ici. Ce qu'on voit sur le tableau des scores, c'est que Matt il se fait démolir par Tazé. Et malgré que ce soit Ziwo, le top killer, Ziwo qui finit à 31 kills, attention, Ziwo qui fait son match. Mais le problème c'est que Matt il est pas dedans, il perd ses duels face à Tazé. EPP a le contrôle map. Et sur Moscou c'est ce qui compte et voilà. Victoire de la team EPP. Et attention. Et là on se dirige Part sur une R&D sur Red. Vers la toute première R&D décisive de ce tournoi. Là vraiment ce soir les viewers vous avez été gâtés parce que sincèrement là on se régale. On se régale. Je pense franchement que c'est le plus beau match qu'on ait vu. Il y a même pas de débat. Il y a même pas photo parce que 2-2. Encore une fois, c'est pas parce que la team bagarre ils sortent des grosses games, mais c'est qu'en face c'est vraiment très 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 costaud. Et sur cette manche, je tire mon chapeau à Pépé parce que Pépé il a vraiment fait une grosse game. Impressionnant Pépé, impressionnant. Ouais, vrai. Je pense que la petite pique en début, manette de goudron, manette de plomb, ça l'a piqué. Ah ouais, mais de toute façon, il savait qu'il était attendu au tournant, qu'il était en dessous. Et là, attention, hein, il s'est réveillé pour l'HP. Gros taf. Je sais pas ce que ça dit. Je sais pas ce qu'il se dit dans le chat, mais ça doit être en folie parce qu'on s'attendait pas à ça. On s'attendait pas à une manche en R&D. Là, on se régale. Ouais, franchement, là. Pendant ce temps-là, il y a l'Europa League, mais je pense qu'il y a moins de spectacles qu'ici. De toute façon, la Ligue des Champions, elle est là. Oui. Ce soir, c'est du haut niveau. Est-ce que les joueurs sont prêts? Allez, les deux équipes sont prêtes, on va lancer. Allons-y. Pour cette dernière carte, moi, je vais pas me risquer à faire un pronostic parce que... Moi, si, sur Garrison, j'avais bon 3-2. Mais là, le coup d'avant, franchement, j'attendais vraiment pas. Et moi, je vous dis que l'histoire est en marche ce soir. Quand on voit la qualité proposée par la team EPP. Ah, regarde cette attaque. Ça va direct à. Tout le monde est parti à B du côté de la team, et pourquoi pas. Et Zivo qui va pire déjà tout, certainement, avec son sniper. Voilà qui est fait. Eh oui, ça ne pas manquer. J'ai l'impression de revoir la scène leur dernier match là où Zilio qui avait démoli tout le monde avec son sniper. Et là voilà, la bombe qui est posée. C'est bien joué. C'est super bien coordonné, ils sont en place. Regardez comment ça quadrille super bien sur la minimap. Ça va être compliqué. Ça va être plus qui va avoir un duel au back. Et la menace qui arrive. Oh non, la menace qui lui met. Il finit par tomber, mais. Pépé qui prend un gros kill aussi sur Horatio. Et Matt qui se retrouve tout seul face à deux. Pépé, il a pas eu l'information. Oh, Zivo, qu'est-ce qu'il nous fait, Pépé? Tu le sais qu'il faut pas y aller. Zivo en 3-0. Il a failli faire la triple. C'est pas passé loin. Mais attendez, mais. Oh là là, attention, le dernier duel. Et Tazé qui va tenter la defuse. C'est bien joué, il a peut-être le temps de. Ah, il aura pas le temps de le faire. Zivo. Zivo qui a fait ace. Le commentaire pour Zivo qui a fait le ace. Voilà. Oh là là. Bah, je peux vous dire que c'est dans ces moments-là où on voit les vrais leaders, et là il a pris son équipe. Il y a tout le monde. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a du poids dans le sac à dos. Éteint. C'est. Non, mais ce qui est dommage, je sais pas, Diatou, il a pas parlé à Pépé, il aurait pu lui dire. Enfin. Oh, mais même. Allez, la Zivo qui était déchaînée, il est déjà en 4-0. La piscine avec son scope, on peut rien y faire. Non, mais
tu dois pas y aller, tu sais très bien qu'il va y aller, et que tu n'y vas pas, ça c'est perdu d'avance. Et Horacio qui a pris le top, hein, il passe sur et le côté regarde, gauche, Zero, qui est déjà dans leur bac. Il va avoir les 4 devant lui là. Allez Diatou, il faut prendre ton duel, bien joué, allume tes morts. Zero qui prend Horacio, un kill, et deux kills. Et Diatou qui fait la double. Zero. Oh attention, le troisième kill sur PP. Oh là là, troisième kill, il va se faire la double. Quelle entrée il nous a fait. Et Tazé qui le refroidit. Et Tazé qui gagne la manche costaud pour son équipe. Et regarde le box score s'il te plaît. Z-Walk a fait tous les kills de son équipe. Après, c'est dans ces moments-là qu'on attend ce genre de joueur. Donc... Et je pense en m'avançant que s'il loupe pas quelques balles sur PP qui prend vite le duel. La manche elle est pour lui encore. Il fait la deuxième encore, je suis d'accord. Il est impressionnant. Allez bah moi je te propose d'aller sur la caméra d'Ivo parce que de toute façon oui. Là il est en fond. De toute façon là si on veut voir du kill à mon avis clairement là il est déchaîné. Je pense qu'il est fou, il doit être un peu frustré de d'avoir perdu deux manches, mais encore une fois ils ont pas volé les manches la team PP. Et Jimmy. Il y a un duel Tazé et Ivo. Et Jimmy, attention, allez Jimmy. Pourquoi pas Jimbo le clown. Et il va le rusher avec son pistolet. Mais regarde, Jimmy. Il met en confiance, regarde. Ah mais Jimmy tu vois. Il le joue avec son pistolet et il prend le kill mais Z-Walk. Impressionnant, il a récupéré une KU en plus. Là, c'est fou, il a switch sur la KU. Ça va être compliqué. Oh, allez, bien joué Pépé le gros fils. Éteinte par PP. Et la double. Allez, il faut lancer. T'es en 3v1, il faut relancer ta game, prendre l'avantage de suite. 3v2. Et regarde, allez, il faut y aller là. Beaucoup de Z-Walk, mais regarde en face t'as Z. Malgré une première attaque complètement ratée, il est en 5-1. C'est... Mais de toute façon, c'est le duel des leaders. De toute façon, c'est son mode. C'est son mode. La R&D, c'est le mode de Tazé. Et PP Prod qui prend encore un kill après avoir démoli Z-Walk. PP qui s'est vraiment bien réveillé encore une fois. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est ultra intéressant. C'est là, on voit Tazé qui a démonté Biforbul. C'est peut-être vraiment la déception de ce soir. 0-3, attention. Ah, mais regarde. Il a peut-être reparti avec la Aston Martin. Et regarde le box score, il n'y a que Zivo qui joue. Et oui, alors qu'en face. Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'en face, ça joue un team. Ah, depuis que. La menace qui a pris la bombe. Depuis que Tazé a éteint Matt sur Moscou, mais. Là, il a coupé l'électricité carrément. Il l'a pas juste éteint. J'ai envie de te dire que ça me fait penser au combat des vieux loups hein, dans les. Dans les comment dire dans les meutes hein. Généralement il y en a un qui finit avec la queue entre les jambes, pour l'instant c'est Matt. Bah tiens, il nous fait mentir, il prend le kill. ouais, côté de la compliqué. Team EPP, on se fait à chaque fois ouvrir par le mid. Ouais, il y a personne au mid, ça n'avance pas sur le raid. Et ça fait deux fois. Ouais. C'est quand même assez surprenant en plus qu'un joueur comme Tazé n'est pas remarqué, on sait qu'il a des yeux partout et. Oui, mais là je pense une fois, deux fois, ça va plus passer. Là, on voit qu'ils sont coincés dans le raid complètement. Ils n'arrivent pas à avancer. Et comme ils n'ont pas le mid, ça arrive dans leur dos et c'est tout de suite mission impossible. Petit réveil hein, de la team bagarre. Ouais, Rossou qui a pris un gros double là. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que ça te permet de te libérer aussi, parce que quand t'es en 0-3, tu commences à avoir les couilles qui se flétrissent parce que tu vas passer pour un compte devant tout le monde, et que tu fais ce kill qui te libère, ça fait du bien. Là, je pense que les joueurs, ils y pensent pas. Bah, Z-Walk qui a pris la pose de Tonello. Il adore ça, le petit Z-Walk. Ah, il tombe sous les balles de Tazé. Ratio contre Diatou et Tazé. 2v2. Ça l'est. Allez, les leaders, c'est sûr. Les leaders, c'est là, c'est sur ce genre de manches, on peut entre guillemets dire que c'est des manches gratuites. Oui, mais attention. Parce que Horacio, il est bien. Ouais, regardez Horacio. Ouais, justement, Horacio, voilà. Il est bien. Ils ont joué, Diatou dans le rouge, Tazé à l'arbre, il ne pouvait pas trade le kill, attention, 2v1. Allez, ça va poser AB, ils sont en place. Tazé qui s'est dit, je vais aller faire 2-3 longueurs pour rester en forme. Il a raison, le gros kill peut-être, il va peut-être le voir. Il l'a vu. Bulle intelligemment qui joue pas le duel, il dit, viens. C'est bien joué, Bulle, il recule. Ouais, c'est des joueurs. Bulle, Tazé, attention, tu peux pas échapper à ton destin. Non.
indéfiniment et on va voir ce qu'il va nous faire taser. Horatio qui est en train de tailler les plantes. Bien placé. Il taille les plantes là, il fait son jardin derrière son caillou et il va s'arrêter. Hein. Et voilà, et tu t'es fait avoir. Voilà, et énorme tasé. Action de Tazé, 8-2. 8-2. C'est le match dans le match, encore une fois, on a un match dans le match et c'est Tazé Zivo. Et sincèrement, ça va être compliqué de sortir un MVP dans chaque équipe hein, parce que tu as l'impression que les leaders ils ont répondu sur quasiment chaque game. Sur chaque game, c'est un leader qui a pris. Ah, c'est même pas un sac à dos quoi, ils ont pris quoi? C'est une brouette. C'est une brouette. Ouais, Jimmy, c'est un peu compliqué, mais je pense que Jimmy, son boulot n'est pas inutile. Hein. Ça doit être calculé, ça doit être demandé. Tiens, on va c'est vraiment. Déjà, on voit que c'est lui qui porte la bombe à chaque fois. C'est lui allez, tu prends la menace, on y va. De toute façon, t'as rien à perdre. Faut y aller, mon grand. Regarde. Matt qui a refroidi Pépé. Ouais, c'est... Alors qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il a joué à l'intox? Ils ont joué à l'intox, ça, il me semble. Drôle d'attaque de la part de la team, pourquoi pas. Ils vont attendre et trade les kills. Ils se sont fait surprendre dans le back à chaque fois. Face à Zivok. Il y a un Jatou Zivok et ça pardonne pas. Il sait pas. Et là, ça va être vite compliqué la menace. Qu'est-ce qu'il va nous faire la meumeux? Ah, c'est dommage, mais pourquoi? C'était bien vu comme attaque. Ils se sont fait ouvrir à chaque fois par le mid. Ils ont dit écoutez, les gars, on va les attendre. Ils font les malins. Ils courent vite. Bah, nous, on va marcher. Mais là, c'est. Bah, c'est... 3-3. C'est une manche sans. C'est très serré. C'est très serré et je sais pas ce que t'en penses. J'ai l'impression que c'est avantage défense sur cette map pour l'instant quand tu regardes le profil. Ouais, les défenses sont très très bien jouées. Ouais, les défenses ça joue bien et donc du coup à ce petit jeu là, est-ce que ça va profiter à. D'ailleurs, je pense qu'on va. Depuis le début, on a suivi que des attaques. On va suivre une défense avec Tazé. Allez. On va voir ce que ça donne parce que c'est vrai que les défenses sont très costauds. Ouais, c'est costaud, ça défend bien, ça défend dur, c'est bien organisé surtout. Après, on voit que la A elle est partie et il va y avoir un décalage. Zivo qui va. Jatou, très bien joué de la part de Jatou. C'est super, et en plus j'espère qu'il a pris l'info pour ses collègues. Et surtout, ça fait ralentir l'attaque qui se retrouve coincée là dans le bâtiment et surtout personne ne se montre. C'est bien, et donc du coup, on peut rebondir sur le fait qu'on parlait, hein, que c'était une équipe qui était capable, qui était passive, qui était capable d'attendre, qui temporise, oui. Et là ils le montrent, c'est bien quadrillé. Je pense surtout qu'ils savent que s'il y a du monde à la piscine, il y a Zivok avec son sniper. Et Tazé, les gars, on se cache, parce que sinon Zivok va encore nous la mettre, rester caché. Et pour l'instant, c'est bien parce que ça tergiverse. Oui, et plus 35 secondes pour poser la bombe. La montre tombe dans leur sens. C'est bien. Après, il va falloir attention parce que Diatou peut vite se faire déborder. Ça va aller poser justement. Matt a avancé. Bulk est sur la bombe qui va poser. Fallait faire la rota là. Et Matt qui va faire éteindre par Diatou, c'est bien joué. Allez, ils sont en 4v2. Il va falloir être costaud. Ils vont se regrouper les deux. Ils vont jouer ensemble. Ouais, Zivok a la bombe depuis le top. C'est l'avantage. Mais ouais, ça va être clairement la personne à abattre. Ça va clairement être la personne à abattre. Il va falloir prendre la menace. Oh là là, Zivok sur la menace et dire mais sur Diatou. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il bien joué. Et Tazé qui reprend Zivok. Et là, il y a un sacré 1v1 à jouer. Et Tazé, magnifique. Alors, Zivok a mangé une grenade dans les dents. Incroyable. Vraiment regardez. Non mais regardez le box score Tazé et Zivok. On a Zivok en 14-4 et Tazé en 10-3. C'est clairement. On a quand même cette impression qu'ils sont en train de jouer l'un contre l'autre. Parce que derrière il s'est pas montré. Et vraiment. C'est les rois qui s'affrontent. Refais-toi le film de la défense. Encore une fois, la défense très importante sur cette carte. Cette défense des pourquoi pas qui, à leur image, ils ne se sont pas montrés, ils étaient complètement les pieds dans le béton. Elle est très costaud. Et attention, est-ce que cette manche peut ne pas être déjà décisive? On va suivre la défense encore une fois parce que c'est vraiment ce qui. Clairement, la clé, c'est qui fait gagner ces manches. C'est ce qui prime. Et regarde encore une fois Zivok qui est complètement passé au mid. Ils ont pas l'air de. C'est plutôt bien joué. Mais ils ont toujours pas retenu la leçon, j'ai l'impression. Ah si, regarde. Ils ont pas retenu la leçon. Diatou est bien placé, il l'a. Allez, Diatou. Attention. Ça a progressé sur le bon site, mais Pépé qui tombe sous les balles de Matt. Ouais, ça va être compliqué parce que là, attention. La menace qui est. Bien vu la menace gros kill sur Matt. Bien joué. Tazé qui.
refroidi Horatio. Et là, on est en 2v2. On est en 2v2. Et c'est les deux leaders, encore une fois. Ah non, non, non Matt est tombé. Mais Matt, dans cette game, ouais, il semble pas être un leader. 3-6. Il est dans le dur. Allez. Attention, Tazé. Tazé va avoir un duel. Les deux côtés, les deux côtés. Ça s'est séparé. Les deux côtés, on va avoir un duel. Tazé, il faut être vigilant parce que. Enfin, c'est tactiquement ça. On a Jatou Zivok bientôt. Je vais aller sur la... Oh ouais, mais Jatou Zivok, à mon avis. Et il se passe à côté sans se voir. Et là, il passe à l'issue. Et c'est avantage Jatou. Ah, attention. Et Jatou qui fait peut-être. Et attention, et si c'était pas le moment le plus décisif. Il reste plus qu'un seul pour poser la bombe. Tazé qui va poser. Bulle qui a l'info. Before Bulle peut pas l'avoir. Ah, il le voit pas. Si, ah, il voit. Il y a son pic qui est passé. Il a pas eu. Il loupe ses balles. Attention, Jatou qui va le rusher. Je pense que c'est terminé. Ouais, c'est terminé, c'est terminé, c'est excellent, c'est excellent. Et excellent, et attention, on est à une manche de voir la première victoire de la team EPP. Bombardez-moi ce putain de chat de merde. Et on voit sur les plays le gros duel là, de Jatou. Ils se sont tournés autour pendant, mais pendant 30 secondes au moins. Ouais. À passer à 1 cm l'un de l'autre, et à la fin, Jatou qui... Et voilà. Et si c'était pas le duel le plus important... Si, je pense que c'est vraiment le duel de cette game. Oui. C'est là que la game bascule. C'est la première attaque qui est marquée. On retourne sur une attaque. On va voir Zivo qui va être très agressif. Là, il a posé le sniper. Il a sorti le bling bling. Et encore une fois, la défense très passive avec. Bien joué, PP. Morts. Gros kill sur une formule. Gros kill d'entrée. Et la défense très passive. Et Jatou, attention, ils sont déjà en 4-2. Tomber Matt, la bombe est au mid, je sais pas si la double d'Horatio. Oh, Horatio, quelle action. Non, il l'a pas vu, il l'a pas vu, mais là, il y a un gros coup à jouer, là. Attention, Tazé qui fait tomber Zivok. Et Horatio. 2v1 et attention, Horatio. Et c'est parti. 2v1, Horatio qui a récupéré la bombe. Jatou n'avait pas vu que la bombe avait été prise, hein. C'est obligé parce que sinon, il aurait pu savoir où se passe Horatio. Et attention, ça semble la fin. Et la pro... Horatio qui prend le kill. Bon, est-ce qu'il va réussir à le faire? Il est en train de sortir une manche. Attention, il est pas s'attaser quand même. Ouais. Horatio, qu'est-ce qu'il fait? Hey, Horatio! Horatio, tu t'arrêtes cette gueule! Pétez-moi le chat pour Horatio! Zivok n'est pas là! Bah les couilles, c'est pas grave! Quelle performance d'Horatio! Il a tué les 4? Oh là là, il a fait des. Horatio, qu'est-ce qu'il nous a fait? On s'attendait déjà à réagir la première victoire de Pépé dans ce tournoi, et non, Horatio qui dit mais les gars, calme-moi quand même. Et si. Oui, parce que là on repart à l'attaque. Ah, c'est plus Horatio Schneck, c'est Horatio Sheik. C'est un prince arabe ce soir. Ouais, et puis là ça doit faire mal à la tête quand même parce que tu passes de très très près de la victoire. Oui, mais je pense que... Ah, regarde, il en reste encore 2 balles de match à jouer. Jatou qui prend l'ouverture. Sur Schneck, il lui dit calme-toi quand même, tu vas pas la faire à tous les coups. Et regarde Matt qui est dans le bac. Et alors que la bombe a rotate sur A, personne s'y attend, y'a plus que Tazé sur B. Attention l'audio. La bombe est tombée sur A. Et encore une fois, situation de 1v2 pour la team bagarre qui est vraiment dos au mur dans cette SND. On est sur Matt. Dos au mur et c'est là. S'il le fait pas, c'est Matt fini. Matt va avoir un rôle déterminant. Il a vu Tazé. Allez, attention, pas se jeter dans la gueule du loup. 1v1, face à Jatou. Matt qui fait le profil sur Tazé. Allez, Jatou, c'est maintenant. Jatou, c'est maintenant que tu dois faire mentir les haters. Bien joué, Jatou. Ça va il est être en train de poser la perche. Allez, Jatou, c'est maintenant. Tu joues ta crédibilité. Tu nous as sorti une sacrée game. C'est pas pour tomber maintenant bêtement. Il va y avoir le duel inévitable. Matt qui prend la bombe. Jatou va aller voir, c'est obligé. Et non, il y va pas. Voilà. Et ça passe. Là, Matt. Là, c'est terrible. Matt, à l'audace. C'est terrible. Ils reviennent à 5-5. Est-ce qu'on va pas encore avoir des regrets pour la team EPP parce que tu n'as pas le droit dans cette situation-là. Mais il faut louer le réveil de Matt et Horatio. Qu'est-ce que c'est que ce match?
Non, mais c'est vraiment le meilleur best of 5 qu'on ait eu depuis le début du tournoi. Je trouve plus les mots. Manche décisive. C'est incroyable. Celui qui gagne cette manche gagne ce match. Remporte le match. Allez. Matt qui va faire le grand bac. Ouais, à chaque fois il fait ça, il a personne sur A, il se dit bah écoutez, allez, j'avance. Qu'est-ce qu'il fait Diatou là? Diatou, il sait que ça va passer là, Diatou. Ça va arriver vite. Est-ce qu'il va avoir le bon timing? Ah, il va se retrouver entre deux joueurs, ça va être compliqué. Regarde, pour lui. Il faut faire le kill sur Matt, oh, il le fait pas. Diatou qui se fait démolir en même temps. Ouais, c'est dommage les deux. Moins et 3, ah là là là, ça sent pas bon. La menace en 1v4. Et voilà. Attention. Là, ça va être compliqué. Zero qui a pris une grosse double sniper. Là, c'est de la chasse à courant. Ah, malheureusement, même s'il les a eu avec la rota, je pense que c'est fini pour lui. Non, c'est fini. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Regarde, il va tomber sur B4B. Là, c'est fini. Terminé. Victoire de la team Bagarre. Victoire de la team Bagarre 6-5. Au bout et du suspense. Fois, au bout du suspense, mais là, on va avoir le temps d'en parler. Oh, Zivo, qu'est-ce qu'il nous a fait encore avec son sniper? Mais Zivok, 19-7. Ouais. Zivok en 19-7 pour clôturer, pour porter son équipe à la victoire, alors qu'il était très mal en point. En fait, on aurait pu lui mettre un contrôle. En 5ème carte, il aurait fait autant de kills, je pense. Ouais, je suis d'accord. C'est complètement exceptionnel ce qu'il nous produit. C'est je pense pas possible. Que c'est pas considéré comme le GOAT pour rien. C'est vraiment bon pour toi pour ma part. Mais au-delà de ça, c'est quel match encore. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Le premier HP, ils se sont fait rouler dessus, mais pourquoi pas. Ils étaient pas dedans. Fallait aller au mastic. On a vu la force de Zivok. SND Express, on a vu tout le. Incroyable. Tout le teamplay de. Bien se préparer. Mais la team, et pourquoi pas. Le contrôle, ça s'est joué encore une fois. À l'avantage de Zivok et compagnie. On aurait gagné la deuxième map, on surprise sur HP Moscou, franchement, je m'y attendais pas. Ouais, je m'attendais à ce que la série se finisse à 3-1 sur Moscou. Et ouais, non, la team est pourquoi pas qui sort une grosse game de Tazé. Et cette SND, je pense qu'ils s'en veulent. Et pourquoi pas. Je pense vraiment qu'ils s'en veulent. Tu peux avoir des regrets parce que sincèrement, la manche décisive, c'est celle où. Tazé et Diatou se font foyer par Horatio. Et Horatio fait Milou et Diatou, ouais, mais la double Horatio. Tu n'as pas le droit normalement. La double Horatio, il prend le premier kill. À côté de la jungle sur Diatou. Et derrière il back, on croit qu'il va aller poser, mais non, il revient à la boîte et il joue le long shot sur Tazé qui a sa Krieg. Enfin. Ah non, c'est. Quand on refait le film, on le voit aller à la boîte. Mais encore une fois, c'est ce genre de joueur comme Horatio, c'est des joueurs qui ne calculent pas énormément. Voilà, c'est vraiment tout dans la bagarre. Et là, ça a payé et ça donne une action de cinglé. Parce que ce qu'il a fait Horatio, c'est très très fort. Incroyable. Tu sais quoi? Je pense sincèrement que bon, je pense que là le titre de MVP, tu peux le donner sur un mec qui te sauve sur vraiment le moment le plus décisif. Parce que là, sincèrement, tout était fait pour qu'ils perdent la. Oui, mais de là à le donner au ratio, je pense pas. Je sais pas, mais regarde le score de Zivok. Oui. Ouais, mais on est habitué. Mais malheureusement, c'est comme ça que les grands joueurs, tu vois. Tu vois, il a beau envoyer 40-50 kills sur un HP. On dit, ouais, mais c'est Zivok, pour lui c'est normal. Il devrait en mettre 60. C'est ça, les grands joueurs. Je pense qu'ils banalisent des choses qui sont pourtant extraordinaires. Quoi. Regarde, 19 kills, ce qu'il met au sniper. Mais attention, bonhomme. Il est injouable. Sur Red, avec son sniper, c'est sa piscine, quoi. C'est le Florent Manodou de l'Escanas. Ouais, ça. Il n'y a personne qui approche sa piscine. Moi, là, le chat devait être en folie parce que vous êtes régalé. C'est le meilleur best of 5. Le match, il n'y a pas à dire. Absolument incroyable. Il est 23h11, on n'a pas vu le temps passer. Normal. Franchement, c'était incroyable. J'ai hâte de faire de débriefer un peu avec tout le monde là. Malheureusement, il y a une équipe qui peut avoir encore une fois énormément de regrets. Mais
faut lâcher la pression. Sincèrement, c'est dommage. On va avoir l'occasion de discuter avec eux. Parce que je pense que si tu es à ce niveau-là, en début de tournoi, ils sont pas dans la situation dans laquelle ils sont. Ouais, mais là, on n'a pas joué. Parce que sincèrement, je pense que l'HP Moussou, c'est la meilleure HP Moussou. Ça va être clairement la personne là-bas. Parce que ça, je pense que ça n'a jamais été aussi large le score, il me semble. C'est la map en HP la plus disputée. Bah oui, et là, ça a été. Contrôle, on doit gagner. C'est large, je sais pas ce que t'en penses. Mais... Ouais, mais on a forcément gardé en mémoire là, des actions, des trucs, des trucs qui nous ont surpris. Mais en globalité, mais ce match, c'est surprise sur surprise. Ouais, c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est impressionnant. C'est impressionnant. On s'est régalé. Bon, bah là, on a la menace là. On a la menace. Ouais, alors que pendant ce temps-là, j'ai récupéré un clip. Il faut qu'on revoie ce clip de Z-Book. La menace, tu nous entends ? Bon, ouais, ça va être clairement la personne à battre. Ça va être clairement la personne à battre. Il va falloir. Oh là là, Z-Book, la menace. Qu'est-ce qu'il dit ? Même nous, on va être honnête, même nous, on s'attendait pas à ça. On a fait une très très bonne partie. C'était la manche d'HP sur Moscou, elle est exceptionnelle. Ah, c'était extraordinaire. On a maintenu tous les points, on a fait les bons breaks, etc. Les bonnes rotas. Tazé, fantastique. Diatou, fantastique. Et j'ai été surpris par Pépé Prod. Ah, mais. Ouais, Pépé sur l'HP. Sur Moscou. Il a fait une... Incroyable. Moscou, il avait pris sa carte. Il avait pris sa carte au Parti communiste. Il a pas rigolé. De toute façon, on sait que Pépé est communiste, alors il avait à cœur de briller sur cette map. Non, mais voilà, après. Je pense pas qu'ils étaient plus forts que nous. Alors, ils ont eu deux gros joueurs. Hein, ouais, mais de toute façon, on est obligé de donner un vainqueur parce que ça joue sur 5 cartes. Mais si on avait joué sur 4, sur un nombre pair, sur 4, sur 6, autant qu'on veut, ça aurait fait égalité. On le voit, ça joue sur la dernière carte, à 5-5. La 11e manche qui détermine le match, franchement, c'était vraiment du très très haut niveau. La question qui fâche, elle va arriver dans quelques instants. Là, il y a quand même des regrets à avoir ce soir. Bah, personnellement, à titre personnel, j'ai un regret, c'est la SND, la dernière SND du Nord. La manche où Horacio fait une ace. Ah, c'est terrible. Ouais, hein. Je suis d'accord avec toi. On devait gagner. On aurait dû gagner. Le pire, c'est que vous avez deux fois l'occasion en plus de gagner. Vous êtes deux fois en 2v1. Compliqué quand même d'en vouloir à tes leaders parce que je trouve que tes leaders sur toutes les games, ils ont vraiment été bons. Hein. Je pense que Tazé sur la dernière SND, il a été extra. En HP, il a été exceptionnel aussi. Diatou, il a répondu présent en contrôle et tout. Franchement. Tu peux pas leur en vouloir ce soir. Après, il y a un petit. Ah, moi j'en veux à personne. Au contraire, j'en veux à personne. Je dis juste que personnellement, j'ai chié ma game de SND et mes coéquipiers m'écoutent et j'en suis sûr et je m'excuse auprès d'eux. Donc voilà, c'était le petit mot que j'avais à dire quand même et je voulais que tout le monde l'entende. D'ailleurs, j'avais une petite question à te poser là-dessus. Est-ce que c'était prévu le fait que tu prennes la bombe et que tu rush Non, il y avait rien. Enfin, c'était pas prévu. Enfin, vous vous en doutez. S'il y a quelqu'un qui peut prendre la bombe, il prend la bombe. Après, c'était pas prévu, mais bon, ça s'est déroulé comme ça. Et puis tout au long de la partie, malheureusement, j'aurais dû rester plus longtemps dans les games pour pouvoir poser, etc. Après, on a eu affaire à un Zivo que en SND, j'ai jamais vu ça. Hein. Concrètement, je pourrais payer pour le regarder jouer, hein, parce que concrètement, au sniper, j'ai jamais vu ça. Le mec. J'arrivais par le bac au garage, j'avais même pas le temps de dire ouf que j'avais une balle dans le crâne. Non, sincèrement, Tazé et Zibo qui nous ont éclaboussé sur la dernière game. Bonsoir à tous. Alors qu'on accueille pas mal de joueurs en interview là, on va essayer de faire ça. On va laisser priorité à la team EPP pour l'instant. On va essayer de faire ça bien. Mais si vous voulez intervenir, c'est libre à vous. Alors moi j'avais une petite question aussi encore. Je pense qu'elle sera plus destinée à Tazé. Dis-moi. Sincèrement, Tazé, il y a peut-être des regrets quand même à avoir quand tu vois ce que ton équipe est capable de produire aujourd'hui. Est-ce que c'est pas dommage que le réveil il arrive un peu trop tardivement en fait? Parce que. Franchement, sincèrement, quand on voit la équipe de produit, waouh.
Non, mais franchement, aucun regret. C'était que du plaisir aujourd'hui. Là, ça se joue à 5-5, ça se joue à rien. C'est des détails. On aurait pu gagner. Maintenant, c'est eux. Mais sur les autres matchs, bon, c'est rien. Franchement, pas de regret du tout. Ça fait juste plaisir de faire un BO comme ça. Je pense que la menace EPP s'est améliorée tout au long du tournoi. Donc, ça fait plaisir. Non, franchement, c'était hyper cool. Aucun regret. Aucun regret. Ultra costaud. Ultra costaud en HP. Ils étaient trop costauds. Et puis en face, mine de rien, même si ça fait 3-2. Et que peut-être qu'on était bon aujourd'hui, ils étaient costauds aussi, parce qu'au final, c'est eux qui gagnent. Ah, mais tu sais, j'ai pas l'impression que la team bagarre ait forcément été en, enfin, comment dire, à déjouer. Hein. Ils ont été, c'est leur niveau. Je pense qu'ils sont encore capables d'un peu mieux. Mais parce que aussi, en face, vous leur avez rendu la tâche très très compliquée. Hein. Non, moi, sincèrement, fait, le HP sur Moscou, pour moi, c'est le HP, depuis le début du tournoi, c'est le HP, vous avez la plus grosse maîtrise. En fait, c'était en mode Aspawn. On avait dit avant le match qu'en face ils avaient du gros shoot, mais pas de cerveau, hein, la réputation. mais en fait, c'est juste que je me suis dit, je vais prendre l'air comme ça, c'est moi qui vais challenge Matt. Et je pense qu'en mode Aspawn, j'arrivais mieux à prendre des spawns que Matt, et du coup, j'ouvrais des possibilités pour mon équipe. Ouais, mais tu et sais c'est que ce qui a fait qu'on les a détruits en HP. Au final, on était tous ensemble au spawn et on a pris le dessus sur eux, c'est tout. Tu sais qu'avant Moscou. Contrôle Garrison, match il envoie presque 40 kills, je crois. Ouais, en contrôle. Et avant, du coup, entre les deux cartes, avant Moscou, je dis écoute, Paul, moi je pense que là, la série s'arrête là-dessus. Match il va continuer à dominer. Et il va tenir toute la maîtrise de la carte avec son AR. Et c'est fini pour EPP. Et là, derrière, je vois que toute la carte, tu le démolis en fait. Bah, c'est sur Moscou, c'était le but. La map, je la connais bien, c'est que des spawns à prendre. Et du coup, Matt, il la connaît aussi. Du coup, je savais ce qu'il allait faire. Et puis après, après j'ai eu de la réussite, quoi. Sur les duels et puis sur ma façon de jouer. Et puis, même après, la team, elle a bien suivi. Ça a fait le taf. Et puis après la dernière CD, ça se joue à rien. C'est juste que, comme par hasard, on tombe sur la map de Ziwak. Alex, il nous a bien détruit dessus. Son sniper, c'est trop. Mais son sniper, tu peux rien faire pour le contrer. T'as resté caché. Et regarde, moi, je lâche un 14 bombes, je suis content. L'autre, il est à 20 bombes et un sniper. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? En plus, avant le match, en rigolant, on disait que ça va arriver à 2-2, 5-5, 1v1, Alex contre moi. Il n'y a pas eu de revers, il m'a détruit au sniper. Clairement, il m'a mis un coup de scope, il m'a détruit. Franchement, je vous la remets sur le live parce que. C'est vrai. Bon, ça va être clairement la personne à battre. Ça va être clairement la personne à battre. Il va falloir prendre la menace. Oh là là, si vous prenez la menace, je vais te dire que c'était. Oh là 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 là. Bien joué! Philippe, où il est sur. Ah, il est top piscine. Ah, il est top piscine, c'est ça? Non, franchement, il était très très fort. Après, dans tout le BO entier, Matt et Alex, ils ont tenu. Et puis. Dans la SND, ce qui fait la diff, c'est Louis qui fait un gros 1v2. Mais d'ailleurs, on l'a avec nous. Moi qui les maintiens. On l'a avec nous, on le prendra après parce que on l'a avec nous. Sincèrement, c'est l'action. Ouais, c'est l'action. J'ai juste à dire un truc à Louis. Regardez comment. Louis va bien te faire enculer, ça c'est cadeau. Oh la menace. Regardez, non, on l'a à l'image en plus. Il est beau dans son uniforme, il avait sorti le Shaka 416 là. Il l'avait branché sur la Kinect directement à l'ancienne. Pas encore. Comment ? Ce qui est dommage, c'est que ça se joue à rien. C'est ce qui est beau dans ce match. Je pense que c'est le plus beau match du tournoi qu'on ait vu pour l'instant. Ah, bah. Mais c'est clairement le plus beau match du tournoi et de très loin. À jouer, c'était trop bien. Et puis moi, ce que j'ai kiffé dans ce match-là, c'est que dans la team, on était tous hyper hypés. Ça s'écoutait, ça parlait. Et au fur et à mesure des matchs, on voit que Pépé est la menace, je crois, parce qu'ils ont un peu, ils jouent un peu moins au jeu, mais ils deviennent de plus en plus bons dans les duels, ils communiquent. Enfin, c'était hyper cool, c'est trop plaisant. C'était trop trop plaisant. Franchement, alors du coup, je peux poser une petite question insider. Pépé a annoncé quand il canait pendant les games là. Alors il a pas annoncé à chaque fois, mais il le faisait de plus en plus. Et wow, quand il ne le faisait pas, on lui disait annonce et après il y pensait, il le faisait. Non mais franchement, c'était vraiment un putain de dos. Je suis hyper content d'avoir joué. Un petit mot aussi sur Diatou, je pense que quand même Diatou fait un gros best of fight quand même. Monstrueux, Diatou MVP. Franchement, Diatou MVP de SBO, trop fort. Même, franchement, si je suis caster à votre place, je me donne le MVP à Diatou direct. Il a été monstrueux dans ce BO, même si on perd le BO. Ouais, je suis d'accord. Il a été monstrueux. C'est un choix qui nous appartiendra. Bien sûr, il a été monstrueux. Donc voilà.
Moi, en tout cas, moi j'ai trouvé qu'en termes de team play, je pense que c'est peut-être l'équipe qui a montré l'une des plus grosses vertus aussi. Hein. Ah, tu sais, entre équipes, entre joueurs les plus faibles du tournoi, apparemment, on est obligé de se soutenir les coudes. Hein. Hey. On est obligé. Donc, bon, non, sincèrement, franchement, merci, un grand bravo parce que vous nous avez régalé. Hein. Bah, ouais, et je pense que vous auriez pu faire part un sacré paquet de pognon à des mecs dans la zone des pronos ce soir, hein, parce que c'est beaucoup de 3-0. Hein. Ouais, mais je crois qu'il y en a qui avaient mis 3-2 aussi. Il y en avait même un qui avait joué votre win. Mais franchement, grand bravo. C'était pas loin, hein, c'était pas loin. Vous nous avez régalé, hein. Vraiment, c'était juste... Ouais. Moi, ah, je pense que j'ai vu le match en live, je l'ai commenté, bah, je vais aller regarder la rediff après. Hein. Ah, je me suis régalé. C'est sûr, et les viewers, ils ont dû se régaler aussi. Hein. Ah, c'est le principal, si les viewers se régalent, c'est le principal. Est-ce que... Par contre, j'ai juste un mot, j'ai juste vas-y. Un mot à dire à Paul. Est-ce que tu peux retirer cette veste, s'il te plaît? Alors, ça la menace, bien. Si... Alors... Malheureusement, t'étais dans la game, mais avant le match, il faut savoir qu'on a passé un message, c'est aujourd'hui l'anniversaire du plus grand, donc on va demander un peu de respect, sinon on va te dire d'aller te faire foutre. Voilà, pour rester poli. Je pense que tu peux même le ban. Déjà là, je pense qu'on va devoir ajouter le Peggy 18 sur le live parce qu'on a vu ta tête en gros plan. C'est pas adapté à tous les publics. Twitch, désolé. Si on se fait strike, on comprend. C'est les règles. Mais voilà. À ta place, je resterai digne. Et calme. Merci. Je sais pas, Arthur, t'as encore des petites questions à poser à l'équipe de PP? Non, moi, il y a un homme que j'attends. Il y a un homme que j'attends. Ouais, moi aussi. Et encore une fois, un grand bravo à Pourquoi Pas. Je pense que si vous jouez comme ça depuis le début... Merci les gars. On aurait peut-être gagné des matchs. Hein. Bah oui, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais bon, c'est pas grave, ça me fait plaisir. C'était bien. Merci. En tout cas, c'était une belle aventure et je tiens à féliciter notre équipe parce qu'il y a une progression qui a été terrible depuis le début. Hein. Ouais, franchement, même si on prend 3-0. On verrait, prend 3-0 à plusieurs matchs. On aura le plaisir de vous retrouver. Hein. Bah, bien sûr. Donc voilà. Bon, sur ce, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Ouais, excellente soirée. Allez, à tous. Encore bisous, merci. Les viewers, à la prochaine. Et Louis va bien te faire enculer, ça, c'est cadeau. Allez, Jimmy, salut. Nick Mercedes. Bisous. Merci. Louis, est-ce qu'on a retrouvé la liaison? Parce que tout à l'heure on t'entendait pas bien. C'est bon, tu m'entends là? Ouais, impeccable. Mon loulou, qu'est-ce que tu nous as fait dans la SMD? Et qu'est-ce qu'il a fait, Louis? Qu'est-ce qu'il a fait sur Red? La dernière, il y a 5-4 pour bagarre. Tu prends 2 kills d'entrée. Et bah, après, tu te retrouves en 1v2, tu prends le kill sur Jatou et tu te barres cuisine. Là, tu te dis quoi? Tu te dis je vais poser ou tu te dis je vais faire le casos et le jouer? Bah non, parce qu'en fait, quand j'ai tué Jatou, j'ai entendu Lilou au top. Il était au top à ce moment-là. Ouais. Il était au niveau top, un truc comme ça. Et je savais qu'il allait revenir, qu'il allait suivre là où Jatou est mort. Et voilà, mon cerveau s'est connecté d'un seul coup. Voilà, ça c'est du génie. Pour une fois. Incroyable. C'est... On parlera beaucoup de Z-Walk, mais je pense que cette action-là... Ah bah... action-là, elle est pas coulée. Hein. Les deux premiers kills où PP la menace, déjà là, je m'étonne. Oui, c'est vrai, oui, tu fais une double d'entrée. Je m'étonne parce que je me suis dit, mon AKU depuis le début de la soirée, elle marchait pas. Ouais, je me suis dit là, bon bah c'est parti. Hein. Après, c'est dommage que ça arrive aussi tard, tu vois, ça aurait pu arriver sur Express, ça aurait été mieux. Hein. Oui, mais bon, l'important c'est la victoire. On voit que ton nom sera à jamais associé à cette double. On n'était pas prêts, je pense. On n'avait pas assez joué ensemble. Moi, j'ai allumé la console à 21h30 et on n'a pas joué ensemble avant. Depuis le dernier match contre la... C'était contre qui? Contre la Team Boula, on n'avait pas joué ensemble, surtout ça. Mmh. Donc je pense qu'on manquait un peu de préparation en équipe. Et bah après, ouais, j'ai Amat et Zio qui font le taf comme d'hab. Ouais, après, un peu perdu nos nerfs. Moi, j'ai beaucoup crié. C'est vrai? Ouais, hein, c'est la vie. Hein. C'est étonnant, ça. Mais après, grosse force à PP, hein, parce que bien surpris, on s'attendait vraiment pas à ça. Ouais. On s'attend PP sur le HP.
Ouais, le HP Moscou. HP Moscou, c'est exceptionnel. Ouais, HP Moscou, c'était franchement les nerfs, ils étaient au summum là. Ouais, parce que ce qu'on disait avec Arthur, c'est que HP Moscou, on sait que c'est une map, généralement c'est très disputé, c'est très serré. Et bah, clairement, vous êtes fait défoncer quoi. Bah, le problème, c'est que tu vois, la R&D Express, le dernier kill de la dernière manche, parce qu'il y avait 5-5 aussi, je crois. Oui. Ouais. Le dernier kill, quand Steven il est en train de désamorcer, franchement, là, ça se joue, je pense, ça se joue à rien du tout, parce que franchement, il était à la fin de la désam, et le kill, il se joue, ouais, ça se joue à, je pense, ça se joue à même pas une seconde. C'est ça qui est beau aussi avec la SND, hein, c'est que la SND. Les deux games de SND ont été ultra serrés et franchement c'était top pour nous. Après pour ouais, c'est clair que c'est relou. Et nous on rentre bien dedans, on est bien. Franchement on joue tous assez. Bah moi t'es Zio au coach normal. Après nous moi et Steven on joue assez correctement. Et puis la SND c'est là où ça part au couille quoi. La SND Express c'est là où ça. Moi c'est où dans ma tête je commence à disjoncter, je joue comme une merde. J'avais deux pouces gauche. Le taf en contrôle de mat, t'en as pensé quoi? Il a été extraordinaire. Ouais, taf en contrôle de mat, c'était. Après en contrôle, on perd des manches où on doit pas, qu'on doit pas perdre, on perd des trucs bêtement. Après c'est, au final on gagne la map, donc on va retenir ça. Mais ouais. Ouais. Et si tu devais sortir un MVP de la team PP, ce serait qui pour toi? Ouais, parce que avant que tu nous donnes ton ressenti. Je sais que le chat nous demande la star du match, la star de la dernière SND. Malheureusement, on n'arrive pas à l'avoir. Désolé. Mais les stars, c'est rarement facilement accessible. Et son équipe de presse cherche à le protéger, donc on ne pourra pas l'avoir ce soir. Donc Louis, c'est toi qui as la parole. Et c'est toi qui parles au nom de ton équipe. La star, c'est Ziwok, hein, franchement. Non mais oui, mais ça c'est pas un secret. Moi, je te parle du MVP de l'équipe d'en face de la team. Avec son snipe, mais l'équipe en face. Franchement, perdre un 1v2 face à moi, c'est ridicule. Franchement, je sais pas ce qu'ils ont foutu en face. me laisser mettre un full team comme ça, une ace, c'est vraiment. c'est vraiment étonnant, mais bon. Moi, sincèrement, quand j'ai vu que t'étais en 1v2, j'y croyais pas. Enfin, pour moi, c'était gagné. En face, Lilou, hein. Parce que Lilou, c'est mon gars et les autres, c'est tous des enculés, alors. Ok. Ah, on n'est pas surpris. Pour moi, ça surpris. Mérite d'être clair. On n'est pas surpris. Je pourrais l'enfermer dans une cave et puis déjà tout. On réglera ça à la banque. Ça marche. Après, merci Louis. Après Djatou, il a été monstrueux quand même. Ouais, Djatou, il ferme ça. Et du coup, Tazé, toi, si tu pouvais sortir le MVP de l'équipe d'en face. Ah, est-ce que j'ai vraiment besoin de me dire. Non, non. Parce qu'il y a un joueur qui fait gagner la map, la dernière map. Hein. Ouais, parce que si ça s'arrête au contrôle, 3-0, c'est mat. Bah en fait, le truc, c'est qu'on oublie que le premier point strat, c'était mat. Mat, il a fait une grosse game, tu vois, mais comme on l'attendait, Alex, il a été bon, personne n'est trop sorti du lot. Mm. Et le contrôle, c'est vrai que mat, il a été exceptionnel. Après, en point strat, la map qui part sur Moscou, je reçois ouais. Alex aussi. Ah, mais... et bien sûr, la SND Alex. Donc, ouais, Alex. Sur Moscou, le problème de bagarre, c'est que Matt, tu le démolis en fait. Bah, en fait, c'est pas forcément que je le démolis. C'est juste si. Là, tu étais modeste. T'es modeste parce qu'ils ont pas eu un spawn. À part sur les transitions, sur la transition P2-P3 où ils avaient de l'avance parce que vous aviez le point. Ouais, ils avaient pas un spawn. Mes teammates, ils m'aidaient bien à aller au spawn. Non, je sais pas si vous regardez la map, mais on allait tout le temps chercher les spawns. Ouais, bah si, à chaque fois. C'était ce que je disais, etc. Tout le monde suivait. Et puis après, ouais, c'est clair, en duel contre match, il y a des fois, je vais démolir sa race. Ouais. Moi, ce que je retiens, c'est les scores finaux. Toi, t'es sur notre vue à nous, donc ça veut dire sans les assists, sans le système à chier du jeu, là. Nous, ouais. on a que les purs kills où t'es à 29. Ouais. 29 et j'ai moins de 20 morts. Et en face, Matt, il est en négatif. Il a à peine 20 kills. Il a juste 20 kills. Et pour moi, c'est là que le match il joue. Bah, c'était le but. On voulait tuer Matt pour avoir les spawns et pour souffler à l'air. Parce que Ziwok, il me semble qu'il envoie. Alors, sur votre vue, ce sera encore plus impressionnant. Mais de notre vue, que les purs kills, il envoie 40 kills. Il est à 39. Et moi, avec les assists, je suis à 36. Ouais, voilà. Donc, ouais, il envoie de ouf.
Mais ouais, non, c'est... du coup, Alex MVP. Hein. Ouais. Voilà. Bah, bon, bah, de toute façon, quand on voit quand on voit la dernière SND, on se demande comment on peut dire autre chose. Quoi. L'action qui, des ouais, actions qu'il envoie au scope. Sur la SND, Alex, on s'y attend, mais on peut dire Louis exceptionnel. C'est, oui. C'est l'action qu'il faut au bon moment. Hein. Mais oui. Et quand il veut, il est exceptionnel, ce gosse. Mais bon, ça, c'est quand il branche le cerveau, c'est pas souvent. Non, c'est rare. Je sais pas si Louis, si tu peux nous dire un petit mot aussi sur la contre-performance de ton coéquipier, c'est Before Bull. C'est important pour toi d'avoir relevé le niveau quand tu sais que t'as un collègue qui est vraiment en train de, parce qu'il a pris la flotte maintes et maintes fois, quoi. Moi, je pense qu'on était tous dans un mauvais soir après Matt et Zivo, que c'est autre chose, mais sur Steven et moi, je pense que c'était pas. Il y a eu un manque de préparation, c'est comme je l'ai dit au début, hein, c'est vraiment un manque de jeu en équipe, de même au niveau de la com, par exemple sur la première match contre le Team Boulard, la com elle était nickel, là on se perdait tout dans ce qu'on disait, à la fin il y avait presque plus de com sur Moscou, c'était... Ouais. On n'était pas en place, quoi. Merci Zivok alors. Merci Zivok pour la SND. C'est pas, y a pas un joueur ou merci qui ou merci quoi. Merci l'équipe. On a joué au final, on a joué en équipe quand même. Et si on finit en 3-2, on gagne. C'est grâce à tout le monde, c'est pas grâce à une seule personne. Sinon ce serait juste du Ziwok contre les autres équipes. Hein. Mmh, je suis d'accord avec lui. Ouais. Bah, écoute, Louis, on te félicite encore. Je pense que le 1v2, tout le monde va s'en souvenir à un moment. Oh, ouais, ça c'est clair. D'ailleurs, tu peux me sortir le clip. Promis, je te le récupère. Promis, je te le récupère. Bon, une fois que tu me tues en duel, bon, faut que tu l'encadres celui-là. Ouais. Ah, messieurs, on vous félicite tous les deux parce que franchement, s'il y avait eu un vainqueur ou l'autre, ça aurait pas été surprenant. Et franchement, merci, merci, merci pour le spectacle. Ah ouais. Pour le meilleur match du tournoi. Bah, pas de soucis, hein. Merci à vous, les gars. Merci à vous. Allez, bonne soirée. Ouais, bonne soirée à tous. Et puis à bientôt. À bientôt. Bisous. Allez, bisous, bisous. Salut les casseurs. Bisous, lui. Bon. Que dire après cette soirée? On s'est régalé. Hein. Ouais, on s'est régalé, c'est clair. On s'est régalé. Mais. Bon, Moi, je suis quand même un peu déçu parce que quand je vois le score. À un moment là, qui mène 5-3, il me semble, la team ouais. Pourquoi pas. Je me dis ça, ouais, ils vont prendre leur premier match. Et face à bagarre, ça aurait été magnifique en plus. Ouais, franchement ouais. Et au final, mais le retournement est incroyable quoi. Et je pense que lui, il a pas voulu le dire, mais ça me conforte un peu dans mon avis au niveau du MVP, c'est que heureusement que c'est SND Red. Parce qu'on sait que Zivok dessus il est imprenable. Et ouais. Heureusement qu'il envoie ce qu'il a envoyé quoi. Parce bon, que Louis il l'a dit très clairement, il dit on manquait de préparation. Et niveau com on n'était pas dedans. Et donc ça s'est vu, sur une map comme Moscou qui pardonne pas, ça s'est vu. Et derrière, Zivok qui envoie 19 kills en SND, impressionnant. Ouais non c'est costaud franchement. Bon, de toute façon, il va être MVP. Hein, je pense qu'il n'y a même pas de. On peut essayer de meubler 5 minutes de plus. Mais tout le monde sait déjà que c'est Zivok MVP. Il n'y a même pas. Ça ne servira à rien. On sait déjà que c'est lui le MVP. Impressionnant. Impressionnant ce joueur. C'est quelque chose. Voilà. Encore une fois, je m'excuse auprès du chat qui fait que de me demander Zivok. Mais on a eu un problème avec son équipe de relations presse qui n'a pas voulu le libérer pour l'interview. Et malheureusement, on ne pourra pas l'avoir ce soir. Mais... Comme vous avez pu le voir sur la dernière game, le mec est en mission. Ouais. Ouais, ouais. Le mec est en mission. Moi, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir face à Ultras Lakers parce que je pense que ça sent la poudre ce match-là. Ah, je pense que ouais, ça va être du costaud. C'est peut-être les deux meilleurs joueurs du tournoi qui vont s'affronter. Ça va être quelque chose. Disons, je sais pas, les joueurs les plus en forme sur la durée parce que. Ouais, franchement, Zivok est imprenable. Individuellement.
Ouais, bah c'est clair. C'est pas la même catégorie. C'est pas la même catégorie. Je pense que la poudre, de toute façon, dans tous les cas, la poudre parlera. Dès qu'il est là, il y a de la poudre qui vole. Mais. Ah, c'est clair. Il faut se mouiller de quand tu joues Z-Walk. Ah oui. C'est... Non, si tu moi, le fais pas, c'est que pour toi. Je sais pas si tu veux faire le mot de la fin et tout là maintenant, mais. Si, on va conclure. On va conclure. Bah, moi pour conclure, je veux pas trop parler de la team bagarre parce que. Voilà, j'ai plutôt envie de dire merci quand même à la team EPP qui, si je dis pas de bêtises, a terminé son tournoi ce soir. Oui. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu de win, mais quel finish quand même. Tu finis vraiment bien. Tu te fais plaisir. Il l'a dit, hein, il l'a répété. Tazé, ils ont pris du plaisir. Je pense que c'est le principal dans ce tournoi-là, c'est de prendre du plaisir aussi. Oui. Et peut-être que certaines piques que certains joueurs ont reçues dans la team EPP leur ont fait le plus grand bien. Bah oui, c'est sûr, mais il l'a dit Tazé de toute façon. Non, c'est la menace qui en a parlé. Il dit moi, je suis fier de notre progression. Après, à mettre en. Comment, à relativiser avec le fait qu'il partait de loin quand même. Donc, forcément, que la marge de progression, elle était énorme. Mais. Que. Comment. Qu'on voit l'équipe progresser, c'était pas surprenant parce qu'on savait qu'il partait de loin. De voir des mecs comme la menace et Pépé, sur lesquels on s'extasie parce qu'ils envoient des actions de fou, on se dit, bah les gars, ils ont fait du gros boulot, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et je pense qu'il faudra rendre à César ce qui appartient à César. Tazé, il a ce don aussi pour bonifier les gens autour de lui oui. Par des petits conseils ou par même. Moi, j'ai envie de me mouiller et de dire un truc, c'est que même s'il perd tous ses matchs et que du coup ben, ça le plombe au classement, pour moi pour l'instant le vrai MVP et le seul MVP incontestable, c'est Tazé. Je sais pas ce que t'en penses. C'est clair. Ah, il a jamais déçu. Après, quand tu gagnes pas, c'est compliqué quand même d'avoir ce ouais, mais de prétendre à ce titre-là. Quand tu es un... pour moi, ouais, pour moi non, là à l'instant T, pour moi à l'instant T, c'est lui. Ah, il nous aura fait un sacré tournoi quand même. Ouais. Parce qu'il faut vraiment prendre en compte le fait qu'il a fait progresser les gens autour de lui. Hein. Mais oui, c'est ça que je souligne. Après, quand t'as un Diatou à ce niveau-là qui s'est bien réveillé, franchement, il nous a fait plaisir. Ouais, bah c'est. On le sait de toute façon. On le sait que Diatou, sur ce premier match, pour certaines raisons, il n'a pas été performant et ça a causé la perte de son équipe. Moi, je pense que là, on rejoue le match Boulard et pourquoi pas. Ouais. L'issue, elle est complètement différente. Ouais, sûrement. Enfin. Sûrement. Et de son côté, la team Bagger qui avance en. Première position. Deux matchs de victoire. Deux matchs de victoire à égalité avec la Scuderia. Ouais, mais. Il n'y a que la différence qui est à l'avantage de la Scuderia. Voilà. La différence de cartes. Mais ça annonce du lourd, du très très lourd la semaine prochaine. Ouais, parce qu'il va y avoir un bagarre ultra fake leaker, s'il me semble. Ouais, on aura le droit logiquement à la semaine prochaine. Là, il nous reste 4 matchs à jouer. La team et pourquoi pas terminer son tournoi. Il reste 2 matchs pour les 3 équipes, les 4 autres équipes. On aura 2 matchs très attendus. D'abord, logiquement, si le calendrier est respecté, et je dis bien si avec des majuscules, parce que jusqu'à maintenant le calendrier, ben, c'est pas trop ça. On aura d'abord un Ultras Fake Lakers contre Bagarre. Qui annonce du très lourd. Ouais, ah ouais, bah clairement, ouais. Qui annonce du très très lourd. Et ensuite, en clôture, un Scuderia bagarre qui peut-être décidera du titre. Eh oui, mon cher Arthur. La semaine qui arrive va être très costaud pour la team bagarre. On est vraiment mis à l'épreuve. La final week, si on peut l'appeler comme ça, va en voir de toutes les couleurs. Qu'on aura. Et on aura également 2 matchs de la team Bagarre qui affronteront UF Lakers et Scuderia. Et la team Boulard, attention, qui peut revenir aussi. C'est ce que j'allais dire. En fait, ce qui est bien, c'est que tout est ouvert sur cette prochaine semaine. Oui. Il peut encore tout se passer. Le scénario peut être incroyable. Alors, Boulard et Lakers qui partent un peu en retrait parce qu'ils ont déjà une défaite. Mais rien n'est joué. Rien n'est joué. Le prochain match, si Ultra Fake prend, ça peut changer la donne aussi. Oui.
Donc voilà, moi je. Ce sera le mot de la fin. Je vous dis que là, on a passé les deux tiers du championnat. C'en est fini, malheureusement, pour et pourquoi pas. Le meilleur reste à venir. Franchement, moi je vous invite à réserver votre semaine, à la semaine prochaine là. Vous n'allez pas regarder Amouré dans le Pré, vous n'allez pas regarder Top Chef. Sur votre programme télé, c'est écrit Canas TV, Canas TV, Canas TV, Canas TV. Ça va être très, 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 très lourd. Et ce sera le mot de la fin. Je vous remercie de nous avoir suivis encore une fois. Vous étiez merci à tous. Un nombre, on s'attendait vraiment pas encore une fois ce soir. Merci beaucoup. Désolé pour les petits bugs, les petits retards, les petits décalages, tout ça. Mais promis pour la Final Week, ce sera aux oignons. On va en quitter du taf là, il n'y aura plus jamais de ça. Et encore une fois, je vous remercie de nous suivre, de réagir sur les commentaires. Et suivez-nous sur les réseaux, c'est écrit là-haut, ici. Si vous voulez être au courant de la suite. Et on se retrouve, promis, la semaine prochaine, même endroit, pour du très lourd. Bisous. Salut tout le monde, et Forza Ferrari. Ouais, et on n'oublie pas Enzo.